Donc si en 3 ans on n'a pas fait un million, on est mauvais. Ouais, je pense que tu peux te poser des questions, ouais. Si demain un token doit exploser, il doit avoir deux facteurs. Chaque erreur te coûte la somme de tes salaires fois le temps de cette erreur. C'est facile de faire 100 000 balles, 200 000 balles. C'est quoi le pire défaut que peut avoir un salarié C'est la différence entre la boîte qui va aller à 5, 10, 15, 20 millions et la boîte qui va faire 1 milliard. XRP ça divise beaucoup de monde. Et hein. soit tu soit tu détestes. Il y a un truc que les gens croient et qui est totalement faux. Selon moi, dans un an, un bitcoin vaudra 120 Plus de 100, c'est sûr. <laughs> oh putain, je déteste oh, j'avoue, désolé. Oh, je voulais pas tracher. Les jeux mobiles font énormément d'argent par rapport à publicité. je me souviens quand je me réveillais et qu'avec ma carte bleue, j'ai des éthers à hein. 3, 4, 5 dolls. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir le plateau. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis sur BloxTV. TV. Putain, ça rime, j'ai euh, la patate aujourd'hui. Alors, et pour nous accompagner ce soir, on est avec deux potes. On est avec Bilal, comment tu vas Yo euh, ça va très bien, très heureux d'être à Toulouse. Enfin, on est là. <laughs> enfin, c'est vrai. ça. mon shirt de gamins ça représente aussi. <laughs> ça fait un moment que tu devais venir, c'est vrai. Enfin, avec nous, euh, on est avec Thomas aussi. Enchanté, Thomas. Du coup, euh, moi, je suis le créateur d'Oxelta. Et ben voilà, vous avez deux experts aujourd'hui en gaming, en entrepreneuriat. On va pouvoir parler de, de beaucoup de choses et on va commencer par euh, d'abord vous présenter. Donc Bilal, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu euh, T'as 5 minutes, allez let's go. Version longue ou version courte 5 minutes okay. Version 5 minutes. Version impact. Euh... impact. <coughs> J'ai 33... 33 ans dans un mois, euh, ah, entrepreneur depuis 7 ans, euh, passionné d'entrepreneuriat, passionné tech, passionné de euh, d'entrepreneuriat de... ouais, et tech principalement. Euh, j'ai fondé. Là-bas, j'ai un parcours assez traditionnel. Hein. Je suis mathé... Enfin, traditionnel, pas vraiment en vrai. Euh, <laughs> j'ai un master de mathématiques appliquées. <laughs> je suis un matheux. Et euh, j'ai travaillé un petit peu dans la recherche. Et très rapidement, en fait, j'ai toujours eu une sensibilité business que je voulais compléter. Ça m'a amené à faire une école de commerce qui s'appelle le SCP Europe à Paris. À la suite de ça, je suis un peu rentré dans le moule. Euh, j'ai bossé pour euh, une banque qui s'appelle Edmond de Rothschild. J'ai bossé pour euh, une boîte de conseil qui s'appelle Accenture. Je travaillais pour euh, différentes boîtes sur. Différents sujets liés notamment au traitement de la donnée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que j'étais toujours passionné d'entrepreneuriat et que je savais que je voulais monter ma boîte à un moment donné, le fait est qu'en 2019, quand je suis rentré dans le monde du travail, euh, toute la partie data était un peu vue et revue. Il y avait des outils no code qui permettaient de faire de la data science. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir de edge avec mon master de mathématiques dans, euh, dans, dans l'économie. Et, euh, et en fait, je me suis dit. Quelle est le, 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 la tendance techno après la, la data euh, Quelle est la tendance techno qui est encore super jeune ou c'est un peu le far west et où en fait où mes compétences de mathématiques peuvent me donner un avantage compétitif Et en fait, je suivais pas mal la blockchain, les cryptos. depuis un moment. J'avais participé à une conférence de l'Union européenne qui parlait de Bitcoin en 2015. C'est pas comme ça que j'ai découvert le Bitcoin, mais c'est l'une des fois où, où j'ai été confronté au, au Bitcoin. Et je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans, euh, dans la blockchain Et en fait, euh, je sortais à peine au moment où j'ai cette réflexion de mon expérience chez Rothschild en, en private equity. Et en fait, je me rends compte que private equity, c'est euh, des fonds qui investissent dans des entreprises, des PME, qui sont un peu en croissance. Et en fait, quand tu investis dans une PME un peu en croissance, ce n'est pas comme euh, euh, Total ou qui est public, c'est-à-dire qui est listé sur un exchange. Donc, les boîtes privées, qui ne sont pas listées sur un exchange, tu n'as pas trop d'infos sur elles. Et du coup, tu ne sais pas si tu devrais investir ou pas. Tu n'as pas un logiciel qui te permet d'agréger toutes ces infos. Et en fait, à partir de là, je me suis dit bah, et si on utilisait la blockchain pour digitaliser les registres d'actionnaires Parce qu'en fait, un fonds, ça achète des parts. Et des parts sont, sont référencées dans ce qu'on appelle un registre de mouvement titre, un registre d'actionnaires. Et du coup, je me suis dit bah, si je digitalise ce registre d'actionnaires bah, en gros, euh, toutes ces parts vont être, euh, peuvent être mises en ligne et on peut traquer un peu plus ce qui se passe sur des sociétés privées. Surtout que rattaché aux parts, tu as, as le bilan, donc tu as des enjeux, tu as des données financières qui permettent en fait, de savoir si tu vas investir ou pas dans, dans cette boîte-là. Et, euh, et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans, dans la blockchain du côté applicatif. Et ça m'a amené en fait, à créer ma première boîte, Equisafe, qui en fait, elle, est une boîte qui fait du reporting financier pour des fonds d'investissement mais qui a une brique blockchain qui digitalise les registres d'actionnaires dans lesquels investissent ces fonds d'investissement. Elle a bien marché euh, cette boîte et, euh, et ouais, donc en fait c'est un SaaS B2B Web 2, mais avec une brique blockchain qui est totalement abstraite euh, depuis le début. Et, euh, et cette boîte a plutôt bien marché vu que je l'ai revendue à un, à un de nos plus gros clients qui est un asset manager. Combien et euh... Tu peux dire, <laughs> tu peux dire. <laughs> euh, de quoi lancer pirates, ma deuxième aventure. Et, euh, et en fait, <coughs> après avoir baigné dans l'écosystème blockchain à travers EquiSave, je me suis rendu compte d'un truc principal, c'est que l'écosystème était tellement jeune qu'en fait, il manquait énormément d'outils, d'applications. Et, euh, et comme j'adore cette phrase, je, je, je le dis à un moment dans, dans BFM TV. En fait, ils font un tsunami d'applications pour qu'il y ait de l'adoption de la blockchain tu peux pas avoir de l'adoption d'une techno avec 10 cas d'application en fait tu veux 10 000 cas d'application pour que toute la population se rentre attachée à l'un de ces 10 000 euh, projets et du coup je me suis dit comment est ce que je peux catalyser la création de boîtes dans l'écosystème blockchain et c'est comme ça que je suis venu à créer pirates lab qui est un startup studio et en fait Rapidement, c'est quoi la différence entre un... C'est quoi un startup studio En fait, pour définir un startup studio, il faut comprendre la différence avec un accélérateur et un incubateur. Et le truc, c'est que la plupart des gens euh, voient pas la valeur dans les accélérateurs, parce que euh, en fait, la plupart sont du flex office. Mais en fait, ils confondent. Un incubateur comme Station F, c'est globalement un incubateur. Enfin, ouais. Station F, c'est un incubateur. Euh, parce qu'en fait, t'as pas vraiment de programme, tu as juste un espace qui te sous-loue des bureaux, euh, qui te donne accès à quelques avantages comme des crédits AWS, etc. Mais c'est plus une pépinière d'entrepreneurs. Moi, je en connais la... pas la différence entre les trois. Hein. Ouais, incubateur, bah accélérateur et l'autre Startup Studio. Oui, Startup Studio. Donc un incubateur, en fait, c'est un espace où des entrepreneurs peuvent trouver facilement des locaux, être avec d'autres entrepreneurs, avoir accès à certains petits avantages. Un accélérateur en général, c'est une boîte qui a des programmes qui va accompagner l'entrepreneur de manière un peu plus intensive en créant des différents workshops. Un startup studio, c'est différent. C'est une boîte qui va déployer des ressources humaines pour aider les entrepreneurs à lancer leur boîte. Et donc, tu vois, dans l'accélérateur, tu fais des workshops. Donc, tu vas une heure à un workshop de marketing et t'apprends comment faire du gros hacking. Dans un startup studio, t'as un gros hacker qui travaille pour toi entre 1 à 6 mois pour t'aider à mettre en place les process, recruter les bonnes personnes, euh, te conseiller sur des décisions qui sont critiques à ta boîte. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui maximise vraiment les chances de réussite des entrepreneurs Parce que ces structures, incubateurs, accélérateurs, en aidant les entrepreneurs, sont censés les aider à maximiser leurs chances de succès. Tu vois. Et en fait, ce qui maximise tes chances de succès, dans ma définition, c'est d'avoir accès à des experts sur le sujet que tu cherches. Tu vois. Exemple, tu veux monter une boîte tech dans le healthcare, bah ok, peut-être que tu as des compétences, mais si tu as genre le Chief Scientist Officer de Servier qui vient t'aider, c'est quand même mieux. Mmh. Tu veux monter une boîte dans la musique, si tu as le Chief Product Officer de Spotify qui vient t'aider. C'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. C'est mieux qu'un workshop <laughs> avec un avec un avec un, un, un product guy. Ouais, ouais. C'est mieux, mais ça te coûte plus cher. C'est mieux, mais ça te coûte plus cher. Mais en fait, la question, c'est ch cher avec quelle euh, avec quelle monnaie. Tu vois, ça te coûte cher. Peut-être ça te donne ça te coûte cher en equity. Peut-être ça te coûte cher en argent. Mais en fait, que le temps que tu gagnes ouais. en ayant accès à ces ressources au début c'est du temps que tu aurais perdu dans les autres programmes. Et tu vois, je dis souvent avec Pirates, globalement, on arrive à faire en un an ce que tu ferais en trois ans. Et donc du coup, bah, en un an, en créant plus, tu vas moins te faire diluer plus tard. En un an, tu dépenses moins qu'en trois ans. Donc en fait, tu, tu gagnes en dilution et tu gagnes en dépenses. La vérité, c'est que quand tu lances ta, ta boîte pour la première fois, et j'ai fait ces erreurs et je l'ai vu euh, dans, dans, dans plein d'entrepreneurs, c'est que... Bah, tout prend beaucoup plus de temps, tu fais beaucoup plus d'erreurs. Et en fait, chaque erreur te coûte la somme de tes salaires fois le temps de cette erreur. Ouais. Tu vois et donc, du coup, si tu as 5 personnes employées ou 10 personnes employées, je sais pas, tu dépenses 50 000 euros par mois, tu perds 6 mois, tu as perdu 300 000 balles. Tu vois et en fait, si tu avais dépensé peut-être plus intelligemment ces 300 000 balles, bah, tu aurais atteint ton objectif plus rapidement. Et donc ça, en fait, c'est la conviction qui m'a amené à créer Pirates comme... Une structure qui va accompagner de manière, de manière euh, intensive les différents entrepreneurs de l'écosystème. Et, euh, et voilà, et on a commencé avec un, un startup studio. Après, toutes les boîtes n'ont pas besoin d'experts. Il y a des gens qui sont assez seniors et qui comprennent certains sujets et qui ont besoin de moins de ressources. Donc du coup, on les met plutôt dans le, la partie accélérateur. Mais en fait, pour moi, ce qui change, c'est simplement le temps des ressources que tu alloues au projet t'alloues plus de ressources dans un projet studio que dans un projet accélérateur mais chez pirates on alloue toujours des ressources pour aider les entrepreneurs on n'aime pas le modèle euh, workshop parce que je sais pas imaginons que tu es un marketeur et que euh, tu proposes on, on lui propose un, un, un workshop marketing en fait il a pas envie de faire ce workshop tu vois donc et l'idée c'est s'il le fait pas il n'est pas remplacé donc nous on préfère avoir une approche plutôt euh, à la carte en fonction du background des entrepreneurs bah on vient les compléter pour qu'ils puissent avancer le plus vite possible, le plus sereinement possible, et faire le moins d'erreurs possible. Parce qu'en fait, la dynamique d'une boîte, pour qu'elle réussisse, faut créer ce qu'on appelle une sorte d'inertie. C'est-à-dire qu'il faut que tout se passe bien dans un court laps de temps. Et si tu arrives à réduire ce temps et à maximiser les bonnes news, bah c'est comme, comme ça que tu attires des investisseurs, c'est comme ça que tu convains plus facilement. Et, euh, et on essaye de créer cette, euh, cette inertie avec, euh, avec notre modèle. Donc voilà globalement ce que, fait, euh, ce que fait Pirates. Moi personnellement, je passe le plus clair de mon temps sur un projet à chaque fois. Et euh, donc 50% de mon temps sur un projet. Et 50% de mon temps réparti sur quelques projets et la gestion interne de, de, de Pirates. Et c'est un petit peu la même pour tous les employés de Pirates. On est une petite douzaine. Euh, je les salue tous. Et, et sur et, quoi en euh, ce moment C'est lequel qui prend 100% de ton temps là euh, en ce moment, je suis sur deux gros projets, Jokies et Interstellar. Euh, Jokies, c'est un sort like euh, dans l'hippisme, mais à la différence d'avoir de, des cartes de chevaux, on a des cartes de jockey. Et ce qui est intéressant dans les jeux de fantasy, c'est que vu qu'ils sont, qu sont liés à la, aux données réelles du, du jeu, bah, euh, il s'avère que dans l'hippisme, il y a des courses du, cours du 1er janvier au 31 décembre, de 9h à 18h30. Alors que je te donne un exemple, c'est rare pour les matchs de foot, c'est que des matchs de foot entre le mercredi et le dimanche. Donc lundi et mardi, tu ne peux pas jouer. Mmh. Et en fait, tu as 5-10 matchs euh, par jour, alors qu'en fait, tu as une trentaine de courses par jour, tous les jours de l'année, ah ouais. dans pistes. Et donc, on adorait cette verticale-là, parce qu'il y a une récurrence de malades. Et là où un cheval court une fois tous les 3 mois, en fait, un jockey, ça peut courir 5 chevaux en un jour. Donc en fait, mmh. avec une carte, tu vibres euh, 10 000 fois dans, dans, dans une année. Et mmh. c'est ça qui est qui qui assez ouf. Et le deuxième, Intercellar. On salue Louis et, euh, et Max. Euh, J'ai vu Louis dans le, dans le chat, je crois. Ah, uh, nice. Marketplace de, de vin et spiritueux. Euh, la seule différence avec une marketplace traditionnelle, c'est qu'en fait, on propose un service de stockage euh, pour ceux qui achètent les bouteilles. Donc, en fait, dans une marketplace traditionnelle, tu achètes la bouteille, on te l'envoie et c'est à toi de la stocker. Euh, dans notre marketplace, tu achètes la bouteille et en fait, tu peux choisir de nous le déléguer le stockage. Et quand tu as envie de la boire, on te l'envoie. Et ça résout pas mal de problèmes, notamment au niveau de l'authenticité, parce que souvent les bouteilles sont échangées plusieurs fois avant qu'elles soient bues. Donc en fait, euh, après le premier échange, tu aucun moyen de vérifier que c'est la vraie mmh. bouteille. Et il euh, y a aussi des enjeux de... Euh, de stockage, tout le monde n'a pas une cave avec les conditions parfaites de température. Nous, on a un entrepôt hyper sécurisé euh, qui respecte toutes ces normes. Et puis, il y a aussi un enjeu environnemental qui est de dire, bah, au moins, on n'envoie pas 50 000 fois les bouteilles, on ne l'envoie que quand elle est bue. Et du coup, ça fait moins d'échanges. Et d'ailleurs, même dans le transport, les bouteilles ont tendance à se dégrader parce qu'elles ne sont pas, sont pas bien conservées. Ouais. Et donc, c'est ça c'est ça le, 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 le point intéressant avec, euh, avec Intercellar. Et sinon, il y a deux, trois autres projets que j'aide. Salut euh, les gars de Bubble Maps. Mais euh... chez Pirates, vous avez accompagné beaucoup de monde et on reviendra sur le site après, comme ça on pourra voir toutes les boîtes euh, ouais, carrément, ouais. Que, vous, que vous avez accompagnées. Ça, ça a été créé quand euh, 2021, mars 2021. Euh, donc un peu le plus de trois ans maintenant. Ok. Eh ben merci pour... Euh, présentation la présentation courte La présentation... <laughs> euh, C'est ça la langue Oh, Maintenant, bah, vous allez découvrir euh, le deuxième invité, ouais. Thomas. Alors, moi, ça va être un peu plus rapide. Euh, du coup, j'ai 24 ans, j'ai suivi un modèle très studieux, j'ai fait de la scolarité école supérieure en école de commerce à l'INSEC. Et en fait, j'ai compris quelque chose, bah, moi, je suis un gamer, j'aime vraiment jouer. J'ai vu la technologie euh, du, euh, de la blockchain arriver, j'ai vu les NFT arriver, je me suis dit, en fait, il y a une logique. Y a une logique pour un gamer, il y a un rêve aussi d'enfant, c'est de gagner, en fait, plus que de jouer. Et c'est pour ça que bah, j'ai créé Oxelta. Moi, ma boîte, c'est très simple. En fait, je veux vraiment essayer de passer sur l'évolution euh, du jeu vidéo. Il y a le jeu vidéo normal, et après, il y a le jeu vidéo d'après, où l'expérience utilisateur ne sera pas le seul élément. Il y aura aussi de l'enrichissement, de la valorisation par rapport à l'achat, par rapport au temps donné avec du token. Et c'est ce que je vais essayer de créer avec Oxelta. Et actuellement, je suis sur ça. Voilà. Première boîte dans le Web3. Première boîte dans le Web3, c'est ma deuxième. J'avais construit une première boîte, en fait, dans les bornes électriques, avec un associé à qui j'ai revendu mes parts, parce qu'en fait... Euh... Quand on travaille pour quelque chose qu'on aime, bah, on est plus efficace. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous le disent ça dans le podcast à chaque fois. Donc euh, essayez de faire ce que vous aimez, les gars, hein, ceux qui regardent l'émission. C'est vrai que ce n'est pas toujours euh, donné, ce n'est pas toujours évident. Quand on est entrepreneur, normalement, c'est la direction qu'on prend, on fait quelque chose qu'on aime, on évite de faire les choses qu'on n'aime pas. J'ai l'impression euh... que le plus dur, c'est de trouver ce que j'aime. Il y a plein de gens avec qui je ne sais pas, disent, mais moi, je sais pas ce que j'aime. Mais Je sais pas, tu... Et quoi que tu pourrais faire sans qu'on te paye, que tu veux, tu vois Et eux, savent pas. Alors, je sais pas si c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on qu pourrait te faire sans, sans que tu sois payé C'est ça la question. Non, mais souvent, euh, quand tu leur poses la question à ces gens-là, ils sont ils sont encore un peu bloqués dans le dans les schémas traditionnels. Donc en fait, ils se disent pour vivre, j'ai besoin de thunes. Euh, donc, quels sont entre guillemets les, les quelques métiers euh, qui <laughs> m'apportent de la thune Et en fait, comme ils se retrouvent pas dans ces métiers qui leur apportent de la thune, ils disent j'aime pas. C'est un peu ce que je remarque. Alors qu'en réalité, il faut prendre le problème à l'envers. Il faut vraiment partir de ce que ton ventre te dit que tu vois, si c'est les jeux vidéo, go. Euh, si c'est la sculpture, go. Et en fait, j'ai l'intime conviction, et en fait, ça a été démontré dix mille fois par plein d'entrepreneurs qui ont entrepris dans, 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 dans plein de domaines et on se doutait pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est que si tu es vraiment passionné, si tu mets vraiment le temps qu'il faut, bah en fait, tu vas finir par trouver quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Tu vois. Et ça fait. va finir par te différencier. Et tu vois, les artistes, c'est pareil. C'est difficile de faire de la thune quand tu es euh, peintre, parce qu'en fait, tout le monde voit en mode, ah, vas-y, je vais peindre un paysage, euh, est-ce que je vais faire de la thune Non, en fait, chaque artiste, à force d'heures de peinture, de peinture, de peinture, c'est créer son style qui en fait est différent des autres et qui fait qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce style donné et que tu vas gagner de la thune. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas de secret. Euh, le travail délibérée. paye, whatever euh, le travail que tu fais. tu vois. Ouais, moi, en général, le point commun entre tous les génies, c'est la pratique délibérée. Alors, en fait, il n'y a personne qui les force à faire euh, tes heures de gamme, tu vois, pour les musiciens. C'est que ça t'amuse. Et moi, je suis très partisan de ça. Si ça t'amuse pas, en fait, le fais pas parce que tu seras pas le meilleur. Si tu pas le meilleur, à quel intérêt de le faire, ouais. en fait, tu vois. Mais genre... toi, tu pas pensé pareil. Tu as dit, moi, j'ai un edge, c'est les maths. Il faut que je trouve quelque chose, euh, bon, comment faire la de l'argent avec ça. Ouais mais j'aimais les maths en fait. Ah ouais. J'aimais la technique. Quand ça c'est pas normal. Pas dire j'aimais résoudre des équations de mathématiques, tu vois. Non en vrai, je <laughs> euh, peux te dire qu'à la fin, quand je me tapais des résolutions à la main qui prenaient genre cinq pages complets, euh, ça me ressortait par le nez. Mais, euh, mais en fait j'avais, euh, on va dire une une approche analytique qui m'avait donné les sciences que je voulais appliquer à l'entrepreneuriat, à des sujets tech. Ça t'aide encore tous les jours. Hein Ouais, ça m'aide encore tous les jours à plein d'égards, mais c'est plutôt. Sur la pensée, so peut-être C'est plutôt des soft skills. Okay. En fait, tu vois, je te, je te, je te donne un exemple. Faire euh... 2 plus 2 de tête. Non, mais je te donne un exemple. Je te donne un exemple assez, assez typique de. Euh... Euh... En fait, imagine, euh, tu es dans ta boîte, on est en train de discuter, il y a un objectif à atteindre, tu vois, et tu dois prendre certaines décisions pour atteindre cet objectif. La plupart des gens, ils vont euh, essayer de partir de cet objectif et faire une sorte de rétro-planning pour arriver où est-ce qu'ils sont et se dire, OK, c'est ça le chemin. Et okay. en fait, là, ils partent du principe que tout ce qu'ils vont faire va bien se passer. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il mm -hmm. faut avoir une pensée plutôt inverse, c'est de dire, c'est quoi le worst-case scénario. Ok, comment je l'évite C'est quoi le deuxième morceau scénario Ok, comment je l'évite C'est quoi le troisième morceau scénario Ok, comment je l'évite Et en fait, c'est ça le chemin le plus rapide pour arriver à ton objectif. Et ça, ça m'a beaucoup été apporté par les, les, les mathématiques en fait, parce que quand ça marche pas, ça marche pas. Ça et du coup, tu, tu, tu résous ton premier problème, après tu trouves une, un autre problème dans ton calcul, bon tu résous ton second problème. Et tu vois, c'est des soft skills qui m'ont amené et ça me permet de trouver des solutions beaucoup plus vite. Est-ce que c'est ouais. pas ce qu'on appellerait le pivot non, c'est pas le pivot, le pivot c'est autre chose. Le pivot c'est... Euh... C'est admettre qu'on s'est trompé et partir dans une autre direction. Ouais, mais c'est pas grave de se tromper, en fait. Tu vois, tous les jours, on fait des choix et on fait des erreurs. Il y en a qui nous impactent moins que d'autres. Mais, euh... mais le pivot, en fait, souvent, les gens, ils le prennent pour un gros mot, alors que c'est un passage obligé des entrepreneurs. Genre... Euh est gonf très gonflé la personne qui pense que sa première idée va le rendre milliardaire tu vois ce que je veux dire impossible frérot okay. moi j'en suis sûr <laughs> impossible impossible et donc en fait et, euh, et, et, et c'est pas parce que euh, le chemin peut changer que tu changes forcément ta, ta destination donc le, le pivot c'est avoir cette capacité de se remettre en question et de dire ok en fait c'est pas ce que je pensais du coup je vais changer un petit peu pour pouvoir avancer et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. C'est pas bien d'avoir des certitudes. Itinéraire, euh... mais pas la destination. Exactement. Ouais, ça offre même des avantages parce qu'en fait, quand tu vas directement, tu as directement un but. Tu qu'un seul, un seul chemin que tu vois. Quand tu vas directement pivoter, tu vas t'ouvrir des possibilités et tu vas t'ouvrir à aller plus loin. Moi, je l'ai vu bah, rien que dans mon expérience. De base, j'avais une, une idée. Dans la NFT, la première idée que j'ai vue, c'était vraiment de faire une loterie publicitaire. idée con. Et à la fin, je me suis dit, mais bah, en fait, on peut aller plus loin. On peut insérer les gens. Et c'est exactement ça, c'est de pouvoir aller d'un endroit. Et de pouvoir aller de partout après et juste choisir la meilleure voie par rapport au pivot. D'ailleurs, il y a un truc qui, qui me fascine dans. Parce que je, on, on le verra tout à l'heure, mais je suis tellement d'entrepreneurs, donc je vois un peu des, 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 des patterns. Et. Euh, euh, <laughs> J'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> <rire> tu suis beaucoup d'entrepreneurs, ils ont tous le même pattern. Ouais, c'est ouais, bon, ça m'est revenu. Euh, mm. En fait, quand tu es entrepreneur, T'as tellement de certitudes au début et tu, tu dois les avoir. Parce que sinon, genre, euh, tu vas pas te bouger le cul pour euh, essayer de recruter des gens, essayer d'en convaincre euh, d'autres. Et en fait, c'est beau à quel point, moi j'adore ce sentiment, quand tu te prends une grosse baffe dans la tête et que en fait, ta certitude, bah, en fait, t'en as une nouvelle. Okay. <laughs> et, et en fait, donc, quand t'es entrepreneur au début, bah, tu t'as pas ce sentiment de. Tu te fais clasher ta certitude et tu changes de certitude. Ouais, la tarde donc, de la coup, réalité. Tu l'impression que tu es crispé sur ta première certitude. puis au bout de 2 3 4 certitudes, tu te dis ah mais normal. En <laughs> fait ouais, en fait on verra quoi. Ouais. Ouais. <laughs> Tout à fait, je suis d'accord. il y avait j'avais une, une anecdote sur ça euh, sur l'exaptation donc je pense un peu ça aussi le pivot, c'est que tu passes d'une niche à une autre c'est la marque euh, Weir Glaze je crois que c'est ça, qui à la base c'est de la lessive. En fait, donc ils vendaient de la lessive, enfin, ils vendaient de la soude, la lessive et de la soude parce qu'à l'époque tu il fallait mélanger les deux. Enfin, je parle des de, années euh, 50-60, tu vois. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils marchaient beaucoup, euh, beaucoup plus sur la soude. Donc, ils, sont, ils ont enlevé la lessive, ils sont mis qu'à vendre de la soude. Et ils se sont dit, mais comment on fait plus acheter notre marque que les autres et Donc, ils ont regardé qui c'est qui allait acheter euh, la soude euh, dans les magasins. Alors, en général, c'était les gosses qui y allaient. Et c'est la, la mère qui disait, tiens, prends-moi la thune, va me chercher la soude. Et donc, ils se sont mis à mettre des chewing -gum dans les paquets de soude pour que le gosse, mais quand il arrive, il dise, bon, je prends ça oui, il y a le chewing-gum gratuit, comme ça, je le ramène à mes parents. Et maintenant, Weird Glaze, qu'est-ce qu'ils font Que du chewing-gum. Énorme. Alors comme moment où ils faisaient de la lessive, de la soude et du chewing gum. Mmh. Donc là, tu as une boîte qui est anti-fragile à max, quoi. Enfin, du moins bien résiliente. Et là, maintenant, du coup, il faut un peu. Donc, elle a jamais, elle a jamais fait autant de thunes, elle n'a jamais été aussi fragile. Parce qu'elle n'a fait qu'un seul truc, c'est des chewing gum Mais voilà, le chemin, genre, là, je trouve il y a un pivot assez intéressant. Quoi. Ouais, il y a un pivot, il y a une opportunité. Ouais, ouais est, voilà, le pivot, est les... il a été amené par l'argent. On ouais, dit, ouais. ça, ça, ça brasse plus, on va sur ça, quoi. C'est énorme, moi. tu fais ça, je trouve ça. Ah, merci pour le sub. Merci Jérémy. Ça c'est les mecs qui mettent des, des subs Donc ton edge à toi, c'est les maths. Et ton edge à toi, c'est parce que t'as passé du temps sur la Xbox et ça. tu connais bien <laughs> le milieu. Parce que j'aime beaucoup jouer. Effectivement, je... je joue moins maintenant que je bosse, mais dès que j'ai un peu de temps, j'y vais direct. Tu joues à, tu joues à quoi Je joue beaucoup à Destiny 2. Ok. Ah, c'est voilà. cool. Moi, moi je pas de temps, ça, mais... Et sur mon téléphone, bah Clash of Clans. Ok. Juste avant les questions, plutôt console ou plutôt PC Console moi. Toi, Bial plutôt PC en fait parce que les deux jeux auxquels j'ai le plus joué c'est World of Warcraft sur ordinateur ah, oui. et euh, mon simulateur de Formule 1 qui est sur mon PC donc euh... okay. <laughs> tu jouais quoi sur haut ah j'ai joué plein de trucs euh, mais je crois que le personnage que j'ai envoyé que j'ai lancé le plus loin c'était un humain paladin euh, level 85 à euh, l'époque de Burning Crusade je crois DPS ou il même pas là. Euh, bonne question. Euh, plutôt DPS. J'avais commencé en heal, mais en fait j'avais envie de taper sur des gens. De... <laughs> et Toi t'as joué à WoW un peu Thomas ou pas du tout non. Pas du tout. Okay. Mal à dans le PC. <laughs> bon. Allez J'ai aujourd'hui petites... je préfère mon simulateur de F1. Ouais. <laughs> J'ai des petites questions pour vous. Des fois ça départage les gens. On voit euh, euh, ce qu'ils pensent et qui sont vraiment. Tout le monde est passé non. par ces questions donc. Euh, <laughs> Vous me répondez chacun à votre tour, vous argumentez pas, vous me donnez juste la réponse et après on débattra, ok Donc celui qui est prêt, répond en premier. Vas-y, je commence. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter Luna. Bonne réponse. J'aime pas tracher les gens. C'est un token c'est pas les gens Ouais, il y, y, y a tout. Bien sûr, il y a toute bien, bien, bien sûr. J'étais trop une euh, euh, ouais. Ah Luna, c'était pas mal. Ouais, euh, c'était bâtard, pas mal, pas mal, pas mal. Tu t'en es sorti, attends, je vais essayer de trouver un truc comme ça. Solano <laughs> Cardano Ouais, grave. Oh putain, je déteste Cardano. Ah, J'avoue, désolé. Ah, je voulais pas tracher. <rire> <rire> trop tard. Non, mais j'ai rencontré Charles Skinsen en. On débat après, on débat après. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. <laughs> La première crypto que j'ai achetée, c'est. Solana, Bitcoin. La dernière crypto que j'ai achetée. Solana aussi. <laughs> dernière crypto que j'ai achetée. Euh... private ou en public? <laughs> non. Euh... <coughs> ouais, dernière crypto que j'ai achetée. Ouais, en public. En vrai c'est pas moi qui achète les cryptos. Je dis, dis vas-y tiens regarde ce qu'il a acheté et achète. Euh... Bah, en vrai Bitcoin. Hein. La plateforme d'échange que j'utilise le plus Binance. Ouais, Binance aussi, je pense. Le wallet que j'utilise le plus Metamask. Truth Wallet. La blockchain la plus performante selon moi Ethereum. Y une définition que tu donnes à performance Mais Et justement, c'est -ce ta... ta définition. Pour moi, c'est Ethereum. Personne n'a réussi à faire ce que Ethereum faisait. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos J'aurais envie de dire la GameFi, mais il y en a quand même d'autres qui vont avant, qui vont chambouler l'économie, la DeFi pour moi. Euh... C'est le use case Ouais, le, ah, le secteur. secteur. IA, ah, le RWA, gaming. Ah, paiement. Paiement Ouais. J'ai toujours été un gros believer euh, des, des stablecoins. Okay, non, plutôt les coin. stablecoins, en fait, okay, okay, toujours stable être un gros des stablecoins. On, on discutera après. Okay. Mm. Le site que j'utilise le plus souvent dans les crypto. Coinmarketcap. Pareil, je pense. Euh, le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos Moi, tous les matins, CryptoLiz. CryptoLiz. Ouais. Franchement, je l'écoute tous les matins. C'est un YouTuber. Non. C'est un YouTuber qui fait plus que tes trading. Moi, je suis pas du tout trader, mais j'aime beaucoup en fait <laughs> comme il, euh, il présente le tout et depuis. Euh... Ouais, non, je suis dessus. Il sort une vidéo par jour Une vidéo par jour, le mec, il est assidu de ouf. Ok. Solide. Euh, moi, c'est plus le crypto daily. Je suis abonné à leur newsletter. Je connais bien Ben. Ils font du très bon travail. Super bien distillé leur newsletter. Tu la lis en diagonale en deux minutes. Bam, tu cliques sur le lien qui Cool. Euh, L'influenceur crypto que je préfère Owen. Un amour. Ouais, je Pareil. Asher. Euh, le meilleur endroit pour cacher sa site phrase <rire> <rire> Juste pour savoir. Hein. <laughs> Putain, je vais pas dire où j'ai caché ma site phrase. Dans euh, moi, elle est dans une, euh, moi, elle est dans une page euh, perdue euh, de, dans un bouquin euh, quelque part. L'enterré, je pense. Hein. L'intérêt. pirate. <laughs> <laughs> bah. euh, le projet crypto français que les gens devraient découvrir. J'ai envie de dire Oxelta, hein ma boîte. Non, il y en a plein d'intéressants, mais ouais, Oxelta, bonne idée. Euh... Toutes les boîtes de pirates. Parce Avec que dit je cherche laquelle Laquelle, faut que je me tape <laughs> Pirates.com, <laughs> <laughs> guys. Euh, la pire erreur à faire en crypto. Donner sa clé privée Dire on a caché sa petite phrase Non, ne, <laughs> ne pas encaisser le bénéf, en fait. Ouais. Euh, c'est tellement con, et d'ailleurs, je le dis par expérience personnelle, j'ai été le premier des cons, <laughs> mais, euh, mais genre toujours, ça peut sembler banal, mais mettez-vous une stratégie, genre bidon, genre si ça augmente de 10%, vendez 10%, tu vois, genre des trucs, de, des trucs de base, quoi. Et, euh, et vous le regretterez beaucoup moins euh, que d'être trop naïf et long, long terme investor. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... <coughs> Moi, moi je fais du DCA stagiaire que j'achète tous les mois un petit peu de crypto avec euh, ce qui me reste dans mon compte en banque. Donc euh, je sais pas il me reste entre tous les mois mon salaire entre <laughs> non, non, en fait, sur mon salaire que je dépense. Donc entre pas 300 et 600 balles par mois j'achète des la crypto. réponse facile hier. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. <laughs> Meilleure revente pour revendre ses cryptos. Ah, avant l'été... Euh... Ah, si c'est saisonnier pour toi. Ouais. ouais. suive sa stratégie, je pense. Simplement. Ouais, évidemment. Ouais. Et dernière question. Selon moi, dans un an, un Bitcoin vaudra. Trumpy pas pas. passe ou pas <laughs> ouais, Je pense que Trump, y passe, moi. Bon. Et euh, je pense qu'il a 120. Ouais, pareil, je pense 100. Plus de 100, c'est sûr. Si passe, c'est sûr. Okay. 120 000 chat. Ouais, c'est 120 000, c'est quelque chose qui revient souvent. Peut-être je penserai à revendre à ce moment-là. Ouais. <laughs> bon, vous avez, vous avez été d'accord sur euh, pas mal de pas sujets. Mal euh, déjà, sur, selon vous, la blockchain qui est la plus performante, c'est-à-dire Ethereum. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça vous apporte Toi, tu es développé sur Ethereum Polygon, ouais. Polygon Et toi, euh, vous avez bah En des fait, projets... ce que j'aime beaucoup chez Ethereum, c'est que, bon, autant ils ont beaucoup été critiqués sur leur roadmap, ils ont mis du temps à balancer leur mise à jour, etc. Euh, pour moi, ça fait plus d'un an que les frais de jazz n'ont pas dépassé 4 dollars, vraiment dans des conditions exceptionnelles. Donc en fait, euh, toutes les limitations d'Ethereum, de ses c'est ses lents, euh, je pense que ça a pas mal été mitigé dans les dernières années. Donc euh, je prends plus ça comme un problème. D'ailleurs, j'ai plein de projets qui ont bougé sur Polygon et qui le regrettent, parce que c'est quand même mieux d'être euh, sur Ethereum pour payer ton token avec Ether, pour éviter d'avoir tes utilisateurs qui utilisent des bridges et qui se perdent. Euh... ouais maintenant que c'est pas cher mais à l'époque ça coûtait 60 balles à fait tout à fait tout à fait mais si j'avais eu confiance plus confiance dans le roadmap euh... enfin, j'aurais dû avoir plus confiance dans le roadmap tu vois et après en termes de performance a... enfin, ce que je mets dans performance c'est aussi la diversité des use cases euh, à quel point leur euh, leur langage solidity leur euh, leur standard ERC ont été standardisés sont devenus mainstream. Euh, c'est quand même la, la go to, la go to blockchain. le te es demande. Ouais, pourquoi ne pas build sur Solana C'est vrai que nous, on fait beaucoup de salons, beaucoup d'événements euh, crypto. On a du mal à trouver un projet qui a été construit sur Solana. Bah, je vais et vous a... dire une raison très simple, très très simple. C'est très économique, guys. C'est que sur Solana, c'est du Rust, le langage de programmation. Mmh. Il y a un, il y a pas beaucoup de gens qui savent faire du Rust. Et du coup, ils sont super chers les développeurs qui veulent faire du Rust. Moi, je, plusieurs fois, j'ai essayé de faire des trucs dans Solana et à chaque fois, genre, tu vois un mec en entretien, il te dit Ouais, je veux 124 salaire !» Et t'es là en mode What Ouais, bon, je vais rester sur Ethereum. Les la mecs, base, ils veulent hein 42, 50, ça me va. Euh, et et je pense que ça, c'est la, euh, la première limitation de, de Solana. Après, Solana, elle fait beaucoup de transactions par seconde, elle est top. Ils ont aussi eu leurs problèmes où la blockchain s'est un peu shut down. Il euh, y a eu toute la connexion à FTX qui les a rendus pas trop fréquentables. Euh, mais euh, j'ai de l'espoir dans Solana. Hein. Mais voilà pourquoi les gens ont du mal à buller sur Solana. Toi Thomas, pourquoi vous n'êtes pas parti Moi, sur Solana Moi je voulais Solana. faire sur Solana et en fait, euh, comme il a dit, en fait je suis allé voir directement des développeurs, des entreprises de développement pour leur dire bah Solana, ça me ferait, on ferait comment Et effectivement, il n'y a pas. Il y a en France, on a beaucoup euh, l'écosystème Tezos, on a aussi euh, beaucoup euh, ERC20. Du coup, bah, à la fin des comptes, je me suis dit bon, bah, pas sur Polygon parce que Facile de développer, plus facile de former par la suite des techniciens qui vont venir travailler sur le projet. Et en fait, je rejoins totalement ce qu'il dit. Évidemment, si Solana, déjà, ils n'avaient pas leurs problèmes qu'ils ont eu, je plus aller dessus et même s'il y avait plus de développeurs, tout simplement. Je pense que moi, je croyais que Rust, justement, ça existait depuis longtemps. Non, mais Comme en fait, ça existe depuis longtemps. Il y a une forte communauté, c'est un très bon langage de programmation. Mais c'est un langage plus bas niveau que les langages traditionnels. Ça veut dire que tu dois coder plus de trucs, tu dois mettre plus d'arguments, tu dois comprendre beaucoup plus comment la machine, elle marche. Mmh. Et donc, du coup, il bah, y a beaucoup moins de développeurs qui, qui sont assez bons pour pouvoir construire ce genre d'application. Parce qu'en fait, c'est plus difficile de construire une application web 3 une application web 2. Parce qu'en fait, en application web 2, tu as, as, as deux layers tu as le back-end, tu as le front-end tu as plusieurs technos pour chaque qui marchent assez bien ensemble. Euh... Dans une application Web3, tu as le layer blockchain en plus. Et tu dois le synchroniser avec ton back-end, c'est une galère. Et tu dois connecter tout ça à, à ton front-end. Et, euh, et en fait, tu dois récupérer les infos pour les afficher. À ça, ça fait blockchain, back-end, front-end. Et quand tu les pushes, en général, ça fait front-end, blockchain. Ouais. Donc l'architecture est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à maintenir. Euh, et tu vois, là où tu avais besoin juste euh, peut-être d'un full stack qui pouvait faire les deux, bah là tu as besoin aussi d'un développeur de smart contract qui travaille avec le full stack ou le back-end et le front-end. Ça complexifie quand même pas mal de choses. Et est-ce que Ethereum, ils n'ont pas euh, profité justement du fait d'être les premiers Parce que moi, pour avoir codé sur Solidity, je me suis dit « c'est pas si bien que ça ». Mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise parce que justement, il y a beaucoup de développeurs. Tout le monde a dit que c'était la norme et la base. Mais est-ce que c'est pas possible que dans 10 ans, il y ait une autre blockchain et Solidity, en fait, c'était. En fait, si tu compares au Web 2, il y a beaucoup de. Mm. Au tout début du Web, on développait dans des programmes qui aujourd'hui sont complètement obsolètes. Est-ce que ça va être la même chose sur Ethereum on... on développe beaucoup sur Solidity, mais dans 10 ans, c'est obsolète. Ou enfin. le fait d'avoir bougé les premiers, ils ont un avantage euh... impermanent, entre guillemets Alors Pour moi, ils ont un avantage, déjà, qui se fait par la communauté qui, se... qui existe à travers tout simplement le token. Le fait que ce token ait une valorisation qui dépend aussi par rapport à tous ceux qui en ont, fait qu'en fait, il y a une. Et mental pour moi en mode si demain je vais développer un meilleur langage que je viens de proposer à tout le monde, les utilisateurs qui décident, les utilisateurs, s'ils sont sur ETH, ils ont envie de rester dessus, ils n'ont pas intérêt pour moi à mon sens à aller sur le, le meilleur. Après, peut-être que si, pour moi, on est encore trop tôt pour en parler, mais c'est ma logique par rapport à ça. J'espère que demain ça va bouger parce qu'on qu aille vers le meilleur, mais le fait maintenant de vivre du token qu'on peut tous avoir fait que ça, ça ralentit, je trouve, le développement. Moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Alors, c'est marrant, Moi, il y a un investisseur, ça m'a fait penser à un truc qu'un invest m'a dit un jour. Il m'a dit la blockchain, c'est comme les télécoms dans les années 90. Il y a eu une espèce de ruée vers l'or où tout le monde faisait son... 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 Sa boîte de télécom. Sa boîte de télécom. Et il y a eu une grosse consolidation et aujourd'hui, tu as euh, Bouygues, SFR, Glo Orange, globalement. Tu en as mm. trois. Donc, je pense qu'on va, va clairement tendre vers... Des, des, des acteurs majeurs. Il y en aura certainement plusieurs. Euh, mais je pense pas que Ether, euh, se, fera que Ether se, se, se fasse déloger de sitôt. Ether, c'est pour, pour plein de raisons, tu vois. Parce tu que, en fait, toute la communauté OG, elle est formée et quand même assez brainstormée Ethereum. Donc, les nouveaux vont leur demander leur avis et c'est ce qu'ils vont pousser. Euh, et en fait, les gens sont tellement riches sur Ethereum. Putain, je me souviens quand je me réveillais et qu'avec ma carte bleue, j'achetais des Ethers à 1, 4, 3, 4, 5, 5 dollars. Putain, le bordel, il est à 3, 2500 dollars. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des gens qui sont tellement riches sur Ethereum que genre, ça ne compute pas dans leur tête d'aller sur une autre blockchain parce qu'ils mmh. se font tellement de thunes euh, sur, euh, sur, sur, à rester sur Ether et à ne pas surfer la vague, mais à, à capitaliser sur, euh, sur la, la croissance d'Ether. Et troisième raison, il y, y a ces histoires de mises à jour. Donc il y a des mises à jour qui améliorent la blockchain au fur et à mesure du temps et qui, du coup, bah, laissent moins de place à se faire détrôner. Ok, je vois. Bah, si vous avez trois cryptos, or, bitcoin et ether, à garder sur 10 ans, ce serait lesquels Les bouilles Orange et... Euh... Mmh. Je crois beaucoup à XRP, parce que la vérité, c'est qu'ils avaient le premier use case, entre guillemets, qui, qui, qui marchait industrie de, de, de paiement, de transfert transfrontalier d'argent. Et c'est stylé, parce qu'ils ont commencé avec l'application, pas, pas le token. Et, euh, et peu de gens le savent, mais c'est intégré dans beaucoup de banques. Euh, J'ai une, une sensibilité pour Tezos. Ouais, moi, dans, dans, au début de ma carrière, ils m'ont beaucoup aidé, j'ai beaucoup travaillé avec eux, j'ai beaucoup contribué sur la, sur la stack technique, que ce soit moi ou Thomas, mon, mon associé chez Pirates. Donc j'aimerais bien voir Tezos réussir. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à... Ils ont de très bonnes technos, très bonnes très bons people. Ils n'ont pas réussi à accrocher le truc. Peut-être trop français, pas assez euh, preneur de risques, euh, mais, euh, mais j'espère que ça va changer. Et troisième crypto, euh... ben en fait, un peu dans la vague de, de Solana, il y, y a trois grandes blockchains qui sont sur euh, le scaling de transactions Solana, euh, Sui et Say. Et, euh... et en fait, pour les avoir testés, surtout Sui. Un truc de ouf, quoi. Tu as à peine cliqué que le mec a reçu les tokens. Et, euh... et en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, aussi agréablement surpris d'un truc qu'on m'avait mis dans les mains, tu vois. Donc, euh, donc, euh, pour ce sentiment qu'ils m'ont donné, suis. Euh, pour la France et, et, et les personnes top de, de chez te, de chez Tezos Xtz euh, et XRP, ils sont un peu sous, sous le manteau. Ils ont ces problèmes avec la SEC, c'est un peu flou, personne sait. Mais en réalité, ils ont ce qui marche. Je suis d'accord. XRP, ça divise beaucoup de monde. Hein. Dès que tu dis le mot XRP, il y a ceux qui détestent et ceux qui. Il n'y a pas de mec qui ouais j'aime bien à peu près. C'est soit t'adore, soit, soit tu détestes quoi. Et toi Thomas, serait quoi tes trois cryptos à garder bah, moi, comme tu l'as dit, j'ai commencé avec Solana. Du coup, euh, Solana, malgré tout, je sais que ça en fait pas un euro là-bas. <laughs> euh, ensuite, un euh, stablecoin, parce que malgré tout sans ça, ce serait pas, on sera, ça sera un peu compliqué pour nous. Du coup, euh, USDC, USDT, pour moi, c'est la même. Pas particulièrement sur 10 moi. ans, il y en a pas un qui peut péter sur 10 ans. Un qui peut péter comme je. J'ai envie de te dire que ils étaient, ils ont plus de chances de péter. Ouais. Euh, je, du coup, euh, circle pour moi. Et en troisième, euh... franchement, je pense. Euh... Alors, je sais pas s'il y a encore un token qui existe par rapport à ça et qui a, qui fait vraiment ses preuves et qui est vraiment en lien avec un réseau. Mais un, un token qui est vraiment en lien avec euh, les réseaux sociaux, avec un, un, un concept qui marche dans le temps, ça peut être quelque chose de pas mal. Répond, mais... social file, social file ouais. alors beaucoup d'escroqueries sur ça mais franchement en fait si on, re on regarde on réfléchit, euh, Youtube il fonctionne comment par un système de pub, si en fait directement l'utilisateur il va payer son, euh, par rapport à un token qu'il ne pourrait utiliser qu'en payant la personne qui, qui regarde tout simplement est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui marche, j'ai pas fait les calculs j'ai rien un regardé un par peu. rapport à tout ça mais je pense qu'il y, y, y a un délire pour enlever la publicité euh, avec ce modèle là, je, pourquoi pas Et vu pas. que les gens consomment un peu cambrai, vous t'es rétribué. Genre, tu j'accepte de recevoir des notifs, des pubs, et ils te donnent. Non, pubs, sans pub. Bref, l'objectif en fait, moi, de ce que j'imagine par rapport à ça, c'est vraiment en fait le modèle où la publicité n'existe pas et c'est vraiment en fait participatif. Moi, je fais une vidéo, toi, tu vas la regarder automatiquement parce que tu aimes ce que je fais, et en fait, tu vas avoir une allocation de token, j'imagine. Qui va être déterminé par le temps que tu regardes par rapport à tout, ce qui va m être envoyé parce que tu regardes. Et en fait, plus tu fais des vues, plus tu pourrais recevoir de tokens. Wow. Tu tokenises le. le, le voilà, c'est une idée que j'ai eue en venant en voiture ici, vu que j'avais pas <laughs> mal de temps. Mais je ouais. me suis dit, c'est pas con. <laughs> Alors, j'ai pas fait de calcul, je sais pas s'il y en a un qui lance ce projet. Ça Je le serai tout le pour de, le suivre. Je ne le lancerai pas. En fait, pour moi, non, le, le souci y a de, de la. Cyborg la... qui. Ouais, de, qui pense ça, ouais. Ok. Ils tokenisent les espaces publicitaires. Ouais. Et ils l'ont fait. fait il y a pas longtemps avec Cryptost, ah, je viens de voir la dernière. En news. réalité, ce qu'ils tokenisent, ce que tu dis toi, c'est le temps d'attention. C'est le temps d'attention. Ouais. En fait, actuellement, on est vraiment, vraiment dans une disponible. guerre d'attention. En vrai, c'est la vérité. Ouais, elle est là. Le jeu vidéo, ah, par ben exemple. Oui. La plupart du modèle économique dans le jeu vidéo, c'est gratuit. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de te faire venir sur le jeu pour te transformer en client. Les Chinois, ils sont très forts dans ça, avec les Gacha Games, qui développent beaucoup plus que les jeux AAA. Pour ça. Je vais rajouter un truc, il y, a, il y a un token aussi qui est assez clivant, euh, ultra underrated, c'est euh, Ton de Telegram, on euh... il est pas underrated ouais, tout les... En fait je vois ton <laughs> casse-croûte là, je sais pas qui c'est ton casse-croûte, mais je, <laughs> je dis « Ah Ton, motherfucker. Ouais Ton c'est vrai que c'est J'ai rencontré là de, euh, le créateur de Ton France, qui va commencer à faire des events, et euh, c'est vraiment des mecs qui sont à fond, mais vraiment à fond. Après chacun sait son ah, idée de on va voir, on va voir. Pavel. Il est libéré la semaine. Bon. Ouais. Il a donné combien d'infos pour être libéré ah, Ils vont bah, en être compliants. Il, il, il est sorti de... Je <laughs> ne sais pas quoi penser de cette histoire. Ouais, euh... ouais, ouais. Parce qu'en gros, il est sorti, je crois, je sais pas, au bout d'une semaine, on va dire, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais en gros, ils lui ont dit euh, tu dois rester en France. Je sais pas s'il va s'éclipser ou pas. Ouais, j'espère En pour fait, lui... le premier truc. Il... Mais je pense qu'ils l'ont forcé et en vrai, il ne va pas le faire. Mais tu sais, quand ils l'ont libéré, il a sorti, genre. Euh, oui. Euh, communiqué de presse. Alors, dire Compliance, on, ouais, il on a... va faire ouais. des trucs et tout. c'est sais pas clair, je sais pas comment ce qu'il va faire, ouais. mais. Il va rien faire. Non, non, ouais. non mais je pense qu'il a filé deux, trois. Euh... De trois infos, renseignements secrets français qu'il devait avoir besoin, et puis il est reparti, quoi. Une peut semaine, sûr. il a tenu quand même. Peut-être aussi, ouais. Non, mais c'est sûr. Bon, ouais, ouais. on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes, vous, vous, travaillez dans le gaming. Alors, tu as accompagné des boîtes gaming, notamment Dogami, etc. Ouais, ai on, va, assez, je... on va parler de gaming. Et pour le coup, moi, en 2021, on m'avait dit d'acheter des tokens gaming. On m'avait dit d'acheter des tokens métaverse. Qu'en est-il de 2024 Est-ce que c'est toujours un bon narratif Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter euh, des cryptos dans le secteur gaming en 2024 je Commence ou je commence Vas-y. Moi, pour moi, c'est très simple. En fait, un token gaming, il est par rapport au gameplay. Le jeu vidéo actuellement, il y a 3,2 milliards de joueurs à peu près. S'ils jouent au jeu actuellement, c'est que pour l'expérience utilisateur. Le seul truc qu'ils veulent, c'est l'expérience utilisateur. Pourquoi Parce qu'en fait, ils vont donner du temps de jeu. Même des fois, ils vont acheter dans le jeu. Ça ne va pas être valorisé. Et il va être valorisé par l'expérience de jeu. À partir de là, si demain un token doit exploser, pour moi vraiment dans cet univers, il doit avoir deux facteurs. Il doit comprendre que c'est l'expérience utilisateur qui est là en premier. Et il doit faire un deuxième truc, c'est ne pas se baser sur un jeu. Pour moi... Pourquoi Parce qu'il y a peu de jeux en fait, qui ont une durée de vie de plus de 7 ans. Généralement, en fait, si tu as plus de 50 développeurs dans ton équipe, ton jeu va durer à peu près 7 ans de durée de vie. Les, je parle dans des gros jeux, etc. Il bon, y a des jeux comme, par exemple, des jeux mobiles qui explosent tout, Minecraft explose tout. Mais il y a un suivi derrière, il y a vraiment un suivi. Et pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la condition pour qu'il y ait un token de main qui explose. Hamster voilà. Combat, ils disent. Comment Hamster ouais. Combat. C'est pas un jeu, c'est. Euh, encore une fois. En... C'est de la gamification. C'est de la gamification, mais le modèle, en fait, quand on parle de GameFi, en, en premier temps, on parlait de play to earn, jouer pour gagner. Est-ce qu'on joue pour gagner Comme je l'expliquais, s'il y a 3,2 milliards de joueurs, c'est pour de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait plus être dans un modèle de play and earn. Tu gagnes en plus. Et en fait, tu vas in ta communauté par rapport à ça, dans un premier temps. Et après, la transformer. À la limite, mais tu ne peux, peux pas les faire jouer pour gagner, tu ne les payes pas, tu vois il va pas bien aller le modèle pas les possible. chinois ils faisaient ça hein, les fermeurs chinois là sur WoW avec euh, les... Du farming. les gold et tout c'est du farming tu fais en fait du temps d'attention si tu fais ça tu mets de la publicité publicité pour 1000 vues tu fais 4 dollars minimum si tu mets ça et en fait tu leur mets tu leur fais gagner du, euh, du token mais tu gagnes plus en fait en, en publicité que tu leur envoies dans la tête bah, là je peux te faire un modèle comme ça sauf qu'en fait le modèle ne tiendra pas dans le temps parce que les gens vont pas rester Oui, bien sûr simplement c'est mon point de vue après sur ça euh... il y a tellement de choses à dire Juste pour vous donner déjà un, 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 un peu de contexte, dans Pierre aslab sur 40 boîtes, il y a quasiment un tiers qui sont des boîtes gaming. Donc j'ai vu plein de trucs, j'ai vu des casual, hyper casual, euh, midcore, games, tous ces mots un peu... Font peur. Qui font peur de... Enfin, tous ces mots, <laughs> tous ces jargons de, 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 de gaming. En fait, déjà, ouais. le premier truc sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est euh, évidemment que la trend métaverse, c'était un délire. Ouais. J'ai envie de dire, genre, ah, bon. on n'a pas de casque stylé, on n'a pas de plastron comme Ready Player One. Dans quel monde, tu as le métaverse qu'on s'imagine euh, va, va marcher de si Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de. de, 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 de devices et de matériel. Des devices et de matériel qui, qui emmènent vers là. Et j'y crois dans les 3-5 prochaines années. Ah ouais, quand même. Ouais, à, 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 au, au délire métaverse, genre, à jouer comme dans Ready Player One. Avec un plastron, un truc, une espèce de tabi, tu bouges et tout. Ça, j'y crois de ouf. Et dans trois ans Ouais, trois, cinq ans. Pour moi, il y a deux écoles ça. Excuse-moi, vas-y. Il y a deux écoles dans ça. C'est soit directement ton cerveau, il se connecte et en fait, tu gères tout ton cerveau, ou soit tu vas mettre ça, une tenue moi, qui ouais. va mettre, qui va ouais. te permettre de simuler. Toi, tu dis que du coup, de la tenue va arriver en premier. Ouais, toi. ouais, j'ai déjà vu des tenues. Elles sont juste un peu grosses, un peu lourdes, mais dans trois ans, euh, ce sera ultra optimisé. En domestique dans en domestique ou dans des lieux précis pour ça Non, non, en domestique. Ah ouais, en domestique. Okay. On okay. Peut... Genre, j'ai déjà vu des plastrons à sensibilité que tu peux acheter, ça existe sur Internet. On sait quoi tes insides là On voit que t'as des trucs que nous on sait pas. Ouais. <laughs> c'est quoi les insides Non, non, c'est pas des trucs que vous savez pas, c'est des trucs que j'ai vu passer et je vous partage quoi. Donc je pense que dans trois ans, on peut jouer comme dans Ready Player One. Putain. Donc Metaverse en 2021, on nous a menti, c'était de la merde. Ouais. Comme Second Life. En fait, pour moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est un remix de Second Life, qu'est-ce qui se passe et Pour moi, c'était la même chose. Hein ouais mais en fait, les gens confondent parce qu'il y a des mots qui regroupent plein de notions. Tu vois Donc déjà, sur la partie, genre, Metaverse, Ready Player One, c'est dans 3 à 5 ans. Okay, avec la VR. Ensuite, maintenant, est-ce que la blockchain peut apporter euh, certaines solutions dans des jeux type Minecraft ou Sandbox, dans des jeux type Clash of Clans, euh, dans, 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 dans des jeux type Counter-Strike Oui. Mais la problématique, c'est que c'est le token. Je dis pas que les jeux Web 3 avec de la rareté sur les NFT, euh, sur les items, pour avoir des, des, euh, des, euh, un nombre d'items limité, de la rareté, pouvoir s'échanger les trucs, etc. Ça, ça ça marche. Ça, c'est sûr, ça marche. Le problème, c'est le token. Parce que le token, il rend les joueurs spéculateurs. Et en fait, tout le monde est greedy. Et quand on te met un truc, genre, pour devenir plus greedy, tu, genre, tu le prends, en fait, tu peux pas... Ouais. Le... Quand on te met de l'argent sur la table, tu le prends. Même si t'es pas venu pour, pour, pour ça, tu vois. <laughs> donc, donc en fait, le token, ça rend les gens greedy, ça attire le mauvais, ce qu'il y a de mauvais dans les gens. Le deuxième, c'est que euh, les investisseurs n'ont pas les mêmes intérêts. Donc qui a investi dans ton token n'ont pas les mêmes intérêts que toi. Oui, ils ont envie que le jeu marche pour pouvoir faire un gros retour sur investissement. Mais ils vont pas attendre que tu fasses marcher le jeu pour faire ce retour sur investissement, tu vois. Ouais. Euh, bon même, donc en fait, le fait d'allouer des tokens à des investisseurs c'est chaud et euh, enfin ça, ça, ça peut que te pénaliser. et troisièmement encore une fois c'est de l'économie tu vois donc quand, quand t as, t as, t as un token tu as des gens qui vont le vendre donc de la pression vendeuse c'est des gens qui vont l'acheter donc la pression acheteuse et en fait si tu lances un token quand as 3 millions de joueurs là je pense que ça peut être un écosystème sustainable. Si tu lances un token en bloquant tes investisseurs et en pensant qu'en 18 mois tu vas avoir un million de joueurs, te toi une balle dans la tête. Tu vois, impossible. Je ne l'ai pas vu, personne ne l'a fait. Euh, je demande que à ce que ça se fasse. Mais là où je veux en venir, c'est en fait plus tard tu lances ton token, bah, moins tu as de chances qu'il te pénalise. Ouais, okay, okay. Tout simplement. Tu vois. Donc vous précipitez pas à lancer un token. Et je l'ai fait hein, avec Dogami et on l'a fait sur plein d'autres jeux. Et à chaque fois, sur les nouveaux jeux, j'essaie de changer des trucs. Mais, mais putain, c'est tellement de l'économie où il y a, y, a, y a plein de variables qui rentrent en considération que c'est excessivement difficile. Pro G.I.G.s aussi, là. Euh, ouais, Pro viennent de sortir, oui, euh... Et le, le, le seul token de jeu, et, et c'est pas vraiment un jeu à proprement parler chez Pirates qui performe, c'est celui de Kevin de Defit ouais. Regarde la courbe, elle est genre organique comme as, elle va doucement. Parce qu'il ne s'est pas excité sur son token, il ne s'est pas excité sur le nombre de tokens qu'il release, il a des super longs vestings, mais long c'est pas genre deux ans, c'est genre huit ans, okay. tu vois. Donc en fait, et, 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 il acquiert des utilisateurs petit à petit, et, et ça a une belle gueule, tu vois. Mais, euh, Après, il mais... y, y a une autre question, parce qu'on en avait discuté avec Jordan de chez Partouche, il nous a dit, moi j'ai déjà parlé avec des éditeurs de jeux vidéo, ils m'ont dit... Les gars, on a le meilleur business au monde, euh, meilleur business model au monde. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à mettre de la blockchain et de la crypto Ils ont déjà quelque chose qui fonctionne, ils ont quelque chose qui fonctionne depuis 20 ans. Et euh, est-ce que les studios ont intérêt à intégrer la blockchain Je sais qu'Ubisoft a essayé de le faire, ils se sont pris une claque. Est-ce que les gros studios ont intérêt à sortir des tokens et à se diriger vers la blockchain Ça c'est la première question aussi. Moi pour moi en fait un studio de jeu web 2 n'a pas d'intérêt actuellement tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient le titiller sur ce modèle-là. En fait, si demain en fait un utilisateur se rend compte qu'il y a cette possibilité réelle, comme il expliquait, qu'il y a 3 millions de visiteurs avec un token qui marche vraiment avec une tokenomics qui est, est fonctionnelle et qu'il y a un réel intérêt pour le joueur, il va se désintéresser des jeux web 2. Pourquoi Parce qu'en fait l'objectif, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il aura la même expérience utilisateur, sauf qu'il sera plus valorisé d'un côté. Et ce modèle-là, je pense que j'en suis, suis même persuadé. Il va forcément arriver, et le jour où ça arrivera, je pense déjà que des gros studios de jeux vidéo ont commencé à réfléchir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros studios de jeux vidéo qui commencent à investir dans des jeux en extérieur qui sont dans le Web 3, pour ça. Donc le modèle sens. viendra d'un nouveau jeu qui révolutionne tout plutôt que d'un Web 2 ouais. qui, qui, qui part sur le Web 3. Ils ont une position dominante. Quel intérêt ils ont à prendre un risque enfin. et, et perdre leur position dominante. Légal, ouais. même légal. Aucune, euh, aucune raison. Donc, euh, mais ils expérimentent. Hein. Euh, moi, je suis allé plusieurs fois chez Ubisoft, j'ai parlé beaucoup avec eux. Mm. Ils expérimentent, ils vont jusqu'au bout du truc. Mais en fait, le problème que tu as dit avec Ubisoft, c'est ils ont communiqué sur leur angle Web3 avec leur marque Web2. Okay. Donc forcément, quand tu communiques, tu veux targeter une audience que tu vas convertir. Donc euh, si je montre à une audience qui n'est pas Web3, des trucs Web3, elle va pas comprendre. Ouais. En fait, elle n'a pas compris. Et c'est pour ça que souvent, je préconise que ce soit des gaming studios ou plutôt des grands groupes qui veulent lancer des projets, lancez-les sous une autre marque, qui est une filiale que vous détenez à 100% si vous voulez, mais lancez-les sous une autre marque. Comme ça, déjà, parmi vos gars, les gens vont dire « Ok, ça ne se mélange pas, tiens, ça m'intéresse, je vais suivre, je vais attirer une nouvelle audience. Et, » euh, Et ça, en fait, ça va permettre d'éviter le, le, le risque public. Ouais de Il va arrivait à, à Ubisoft, à Ubisoft qu on a compris. Ouais. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais, moi j'ai juste une question qui me vient là comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le premier qui va arriver à valider ce business model vraiment avec les utilisateurs avec tout derrière, va pas en fait mettre un écart énorme à tous les autres parce qu'en fait les gens seront habités à lui. Comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Ethereum, Ethereum actuellement ils vont pas se faire doubler aussi rapidement parce qu'en fait ils ont créé une économie, une communauté autour de leur token. Et si ce jeu arrive à faire ça, est-ce qu'il va pas mettre un écart ouf à tout le monde et Il va implémenter, il va devoir pousser les autres développeurs et les autres studios à devoir développer sur son modèle pour pouvoir vivre dans cet écosystème. Oui, non mais probablement. Euh, évidemment que si tu crées une nouvelle multi-billion dollar business, les gens vont vouloir te copier. Euh, C'est l'histoire et déjà est ce que c'est est ce que c'est compatible parce que vous avez parlé de toi tu as parlé de, de chinois qui viennent farmer etc est ce que vraiment l'aspect financier et l'aspect game ils sont compatibles entre eux ou est ce que c'est dès, ouais, dès que tu introduis de la finance derrière il y a plus de jeu il y a plus, y a de, plus de, de plaisir il y a plus de et finalement c'est plus du jeu c'est du travail il y en a qui qui viennent pour gagner il y en a qui sont grisdit c'est de la bourse et donc des natures est ce que le jeu et la finance sont compatibles moi Mais... tu vois Laisse, laisse, laisse. Alors je très simple, pour moi en fait j'ai peur qu'en fait tu rentres dans la catégorie casino, dans l'esprit des gens moi c'est plus ça qui me fait peur auprès des utilisateurs Catégorie quoi Casino casino En fait, moi comment je vois mes modèles que je veux mettre en place, il y aura un système où tu peux gagner un nombre de tokens par jour qui est limité en fait, tout simplement pour protéger la, 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 ma, ma, ma tokenomics et autres et en fait les gens pourront parier entre eux les tokens qu'ils ont, parce que l'objectif en fait c'est qu'ils le gagnent dans le jeu et qu'ils restent dans le jeu mais en fait, ce système de pari, effectivement, il pourrait rentrer dans la catégorie pas de casino parce qu'il y a quand même, on va dire que c'est plutôt cadré par rapport à ça. Mais j'ai peur que ça crée une certaine, un certain problème de dopamine chez les joueurs. Par contre, du coup, la finance, ça va pas lier, mais plus l'addiction au jeu Et dans ça, tu vois. Bah, en fait, la, la promesse de la blockchain, c'est quoi? C'est de dire, euh, tu as passé 200 heures sur World of Warcraft, euh, tu as emmagasiné une monture archi légendaire. Plein d'items, euh, euh, stylés. Euh, bah Du coup, quand tu arrêtes de jouer, comment est-ce que ce temps, tu peux le valoriser, tu vois, et récupérer une certaine partie de cette valeur que tu as apportée dans le jeu, tu vois. Donc, donc, ça, c'est l'objectif. Donc, si tu veux cet objectif-là, tu pas besoin d'introduire un token dès le début. Entre guillemets, tu peux l'introduire juste avant que le mec, il veuille partir. Mmh. Donc, euh, je dirais que c'est très difficile de lier, de lier jeu et, et finance. Et en fait, plus tu le fais tôt, plus c'est nocif à ton jeu. Mais si tu le fais plus tard, quand il y a des millions d'utilisateurs, quand ils sont pas venus pour l'argent, euh, mais que ils ont un moyen d'exit quand ils le veulent, mais ils ne le feront pas tout de suite, hein, parce que ça fait déjà trois ans qu'ils sont en train de jouer au jeu, et ils le kiffent le jeu. Ce n'est pas parce que tu vas leur dire, tiens, tu peux sortir qu'ils vont sortir. Il mm -hmm. euh, y, y, y a plein de gamers qui préfèrent jouer que de récupérer de l'argent. Donc, euh, donc, en fait, voilà, plus tu le fais tôt, plus c'est nocif pour ton jeu. Euh, je ne pense pas que c'est irréconciliable, mais, euh, mais il ne faut pas se précipiter sur financiariser une, une économie. Alors, en fait, ouais. est-ce que le jeu, c'est pas intrinsèquement désintéressé, en fait Parce qu'à partir du moment où tu, peux, tu mets une variable de tune, c'est plus le jeu, en fait mais tu toujours intéressé par être le meilleur pas être... Pas ouais, mais c'est pas c'est pas la thune c'est pas c est, c est pas le monde réel Genre quand en tu fait... joues aux cartes tu veux gagner mais tu veux pas faire de l'argent tu vois moi comment je vois le modèle c'est très simple en fait un joueur actuellement il... qui joue au jeu par exemple on va prendre Fortnite il a des bugs dedans qui va gagner qui va acheter et qui va redépenser il peut aussi les gagner, on peut aussi les gagner. chaque saison tu peux en gagner une quantité en fait c'est toi qui décides si tu vas en acheter ou pas c'est toi qui décides ce que tu as gagné si tu vas les utiliser ou pas si demain en fait on met cet élément de du coup de token qui va être sur le marché, genre tu peux convertir en euros, voilà, tu peux le gagner dans le jeu. C'est toi qui décides si tu vas l'utiliser. Si le jeu est bon, tu vas l'utiliser dans le jeu parce que tu as envie de l'utiliser dans le jeu. Parce que le jeu est bon. Ouais, ouais. C'est ça le but. Par contre, si tu es dans un but financier que tu vas le revendre, Bah tu peux aussi le faire. C'est aussi le but, c'est de te laisser le choix de, de, de valoriser ton temps, soit pour l'utiliser dans le jeu. Et actuellement, pourquoi moi je pense que ça marche, c'est parce que les gens qui viennent jouer sur des jeux gratuits, ils vont payer en fait dans les jeux pour acheter leur token. Et c'est là où le jeu, il est bon. Et c'est là, en fait, où l'expérience utilisateur mmh. elle sera validée sur les jeux Web3. Mmh. Et c'est comme ça que moi je, je conçois mon modèle, en fait. C'est pour ça que la tokenomique, j'entends qu'il ne faut peut-être pas la mettre au début, mais si, en fait, il y a vraiment ce délire de cliff et de vesting qui est bien pensé, à mon sens, et qu'on va vraiment essayer de pousser ça au maximum et de Faire, en fait, grandir la communauté avec le token, on devient le leader qu que j'ai évoqué tout à l'heure qui va en fait prendre une part de marché qui pourrait être incontestée. Et moi, je veux commencer avec les jeux mobiles, c'est comme ça que je vois la chose. Tu vois. Alors, j'entends totalement je ce que souhaite. tu dis, bah, vraiment. ouais je me souhaite. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux modèles, un modèle où il y a des tokens et un modèle où il y a simplement des NFT Moi, je pense souvent ouais. à Counter-Strike. Ouais, c'est un truc de ouf, les le marchés gris et tout. Mais intérêt pour les marques d'avoir un marché gris. En fait, le token, il te permet pas juste de... Il te permet de, 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 de revendre ces items. Et en fait, quoi en fait, un token sur la blockchain, c'est ouvert. Tu peux aller sur une plateforme, tu vas sur une autre, tu t'emmènes le même token. Alors qu'aujourd'hui, quand tu joues sur un jeu et que tu as des crédits sur, euh, je sais pas, euh, Clash of Clans, tu peux pas les sortir. Donc en fait, l'avantage d'avoir un token, c'est de pouvoir, à un moment, revendre tes stuff et de pouvoir sortir cet argent de la plateforme pour vraiment l'encaisser tu vois mmh. euh... pas simplement un stablecoin alors exactement moi je suis plus d'avis pour faire nft comme ça tu crées de la rareté sur les items de la transparence sur le fait que ouais en effet as la monture légendaire il y en a qu'une c'est bien toi qui l'a tu peux te la péter ouais, ça, je trouve ça et, cool euh... et tu, tu ressors en, 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 en stablecoin payé par je ne sais qui d'autres utilisateurs qui te payent parce qu'en fait avant les gens ils faisaient quoi ils allaient juste sur d'autres plateformes ils revendaient leur mot de passe Ouais, <laughs> bien sûr. toi je je quand tu dis euh, ah pas, ouais. un jeu, c'est par nature pas financier. Non, ah non, mais moi j'ai pas d'avis. Je... Revend... Ouais, la plupart <laughs> de gens ils revendent le débat. Ouais, excuse-moi. La plupart des gens ils revendent leurs jeux pour se racheter de nouveaux jeux, donc ils ont envie de récupérer, mmh. tu vois, 20 euros quand ils ont acheté un jeu 80 balles, tu vois. Et c'est vrai qu'un V-Buck finalement c'est un stablecoin. Ça te permet de, sans V-Buck, te permet d'acheter un skin. Que... Ils ont la data, quoi. Et c'est ouais. toujours euh, le moi... cas. Il y a pas un matin où tu vas te réveiller le V-Buck vaut plus cher, quoi. En fait, moi la logique dans ça c'est que à ce moment-là, quel est l'intérêt du Web 3 parce que par exemple, euh, bah de ses assets. Ouais, <laughs> mais si on peut revendre ses assets directement, de toute façon, c'est dans un système qui va être fermé. Que si on prend le concept, autant rester du coup sur le monopole qu'ils ont actuellement. Sur le Web 2. Et hein, en fait, voilà. Sur et moi, ce que je viens en fait, c'est pour ça que moi, je valorise le Web 3 dans, dans ce que j'apporte. C'est qu'en mode, en fait, c'est une gestion. C'est une gestion de stock, tout simplement. Une gestion de stock qui va être proposée à des utilisateurs. C'est que ça. Et après, en fait, c'est au jeu aussi de, de gérer correctement. Comment les gens vont y dépenser leurs tokens Effectivement, le côté investisseur au début qui peuvent détruire un token, c'est quelque chose d'élémentaire. Il faut le prendre en compte. Je suis totalement d'accord. Mais après, encore une fois, je pense que c'est mathématique. Je suis totalement d'accord. Il y a ouais, une équation. Il n'y a pas que ça, en fait. Il euh, y a le token auquel tu es Si S'il descend, ton token, il descend. Euh, as tes utilisateurs s'ils tes utilisateurs, suivent pas, il y, y en a qui jouent mais qui dépensent pas. En fait, t'as 15 000 variables qui font que c'est très difficile. Et encore une fois, je dis pas non, pas de token. Je dis juste, genre, plus tard tu fais le token, plus t'as de chances que ça marche, c'est tout. Je suis, je suis d'accord, oui et non. Et si moi je mets le token au début, c'est parce qu'en fait, le token va pouvoir attirer au début une communauté. Mais mets-le okay. mets en soft currency, en mode euh, token que dans la plateforme, tu peux pas le sortir. Et euh, dans 3 ans, il est payé il a un prix fixe. Et dans 3 ans, quand tu as tu as 1 million d'utilisateurs, là tu dis, bah hey guys, je vous airdrop pour un pour un le token, et maintenant on part en économie Web3, tu vois. Ça peut être une solution. Que j'ai pas développé mais c'est une solution. <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, moi je ferais plus ça, parce que regarde, je te donne l'exemple, tu citais 10 de Samy, qu'on salue, que j'adore, qui est dans notre portefeuille, euh, que je suis depuis longtemps, euh, on, a on a fait des trucs de ouf avec Samy, et sur son, <laughs> sur son projet. Et, euh, et en fait, malgré le fait qu'il ait mis 3 ans je sais pas si je peux le dire, mais... Euh, pense que... Attends, non, ça je peux le dire, je pensais à un autre truc. En fait, en 2023, Cross the Edges, c'est la boîte qui a fait le plus de thunes dans toutes les boîtes que je connais. Je vous jure, hein. Plein beer market, ils faisaient un CA indécent. Et... Euh... C'est que tu connais pas Gwensas. Et, et, et en fait, <laughs> et, 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 non seulement ils faisaient un CA indécent, mais quand je te dis indécent, c'est indécent, mec. Hein. Non seulement ouais, ils ont listé Trois ans après qu'ils aient fait leur token, on oh, veut les chiffres. Ils ont pris cher. Ouais. Ils ont pris cher, tu vois, après le listing. Ah. Et euh, maintenant, là, ça remonte un petit peu, mais ils ont pris archi cher au moment du listing. Donc, mauvaise idée. Quoi. Et... Ok, j'entends ce que tu dis. Je te donne un, un, un exemple. <laughs> non, non non, 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 mais attends, moi, j'avais C'est ce si, juste. Est-ce que si demain, tu mets une courbe en fait, du token à, par rapport aux utilisateurs, et en fait, ta prédiction que tu fais à des investisseurs, c'est le nombre d'utilisateurs que tu vas aller chercher mmh. Ouais leur dépenses moyennes par an et tu non même ça. même pas ça vraiment okay. le nombre d'utilisateurs que tu vas chercher vraiment mmh. sur ça sur cette métrique là et que tu arrives à calquer en fait une économie par rapport à ça et qui va se valider au bout d'un an en fait ce que tu me dis des trois ans moi je l'ai mis sur un an mon protocole il est sur un an dans ma logique ok en fait j'ai un an pour faire l'épreuve par rapport à mes games moi c'est comme ça que je la vois la chose l'histoire hein, mais... ça dépend parce que en fait on... Si tu vas vraiment dans un modèle où en fait tu vas pas proposer un jeu, moi je viens Part proposer principe, plusieurs jeux. Quand tu crées une boîte, rien ne se passe jamais comme prévu. Mec, je sais. Donc genre <laughs> le temps. Mec, le temps. Mec le je sais, je sais. Non, au début, tu vas sur des casual games. Moi, je vais sur des casual games au début aussi. En fait, viens me proposer un écosystème. Je propose pas qu'un jeu, tu vois. Et en fait, j'essaye de pallier par rapport à ça. Il y a plein d'autres revenus qui viennent en fait s'ajouter. Et tu auras un token pour tous les jeux. L'objectif c'est ça, ouais. Ok. Parce qu'en fait, pour tous les gouverner. Une phrase que j'utilise <laughs> <laughs> bah, pour moi c'est ça en fait le modèle du jeu vidéo que je disais tout à l'heure qui va tout tuer qui va prendre la... le marché en fait c'est ce modèle j'aimerais ce modèle là je sais pas si je le serais j'espère être ce modèle mais c'est le modèle en fait qui va réussir à mettre autant de joueurs à avoir des joueurs et des jeux qui vont faire des interactions entre eux et ces interactions elles vont valoriser par le token c'est tout simple et actuellement le Web2 c'est quoi c'est un échange d'un à un en fait le joueur il va donner au jeu l'objectif en fait c'est de valoriser ça c'est de créer cet échange et c'est de gérer les stocks pour valoriser ce token. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est juste une gestion de stock. Mon entreprise, c'est de faire des jeux vidéo. Je transpose des réussites du Web 2 vers le Web 3 en gérant du stock. C'est mon objectif. Et j'ai un an pour le faire. Est-ce que tu considères qu'il est trop court Ouais. <laughs> non, de ouf. Ouais. non mais on en discutera. On, bon, on réinvitera ré 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 Thomas dans un en an fait, et, je... Je... et il faudra on les comptes. ah non ça passe tellement vite. Ouais, je sais, je sais. Même si tu me convaincs avec ton projet... Et ton jeu, okay. et que j'ai envie d'y jouer, vraiment, hein. ouais. je te dirais un ah an, c'est trop court, mec. Prends pas le risque. Faut combien de temps pour une Prends boîte euh, ouais. Prends pas le risque. On dit que. Coup, tu veux prendre un risque. Euh... Attends, faire... Attends, juste alors. Ouais. Euh, on dit qu'il faut trois ans pour faire une boîte et qu'elle soit stable. C'est vrai, c'est pas vrai Je pense que c'est vrai. Mais moi, c'est un an pour valider, c'est pas fait... pour être stable. Okay. Je dirais que, euh, en fait, ce que ce que j'ai vu, hein. ce que j'ai vu, c'est que en moyenne tu mets entre 2 et 3 ans pour atteindre ton en moyenne dans les boîtes qui, qui marchent un petit peu, tu vois. Pour atteindre ton premier million de chiffre d'affaires. une fois que tu atteint ton premier million de chiffre d'affaires, en fait, c'est un milestone un peu mental, et du coup, tu es un peu plus serein, et tu vois comment les choses marchent, etc. Donc, ouais, dans, dans, dans les boîtes de, sur 40... Mais non, enfin, en vrai, il y, y a eu 43 boîtes dans Pirates, il n'y en a qu'une qui est morte. morte. Et c'est à peu près la tendance que je vois. Tu vois. Euh... Mais du coup, des boîtes qui sont dans des accélérateurs ou des startups... Il y en a d'autres qui sont plus lentes. Je sais plus mmh. Netflix a mis genre 15 ans avant d'exploser. De mmh. euh... Donc si en 3 ans, on n'a pas fait un million, on est mauvais ouais, Tu penses que tu peux te poser des questions, ouais. ah Non, C'est lui qui est mauvais, du coup. <laughs> Est-ce est... chez toi, les boîtes... <laughs> N'importe que quelle des boîte hein. de services, de produits non, mais en encore une fois, c'est très marge. vague. Tu voilà. Vois, voilà. Ce bien, bien sûr, bien sûr. En fait, mon expé... en fait, en tant que. Mon expérience d'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle m'a montré Elle m'a montré que le plus difficile, c'est pas survivre un an, c'est survivre 18 mois. Une fois que tu as dépassé 18 mois de ta boîte, tu, tu te rends compte que c est, c est... tu passes dans une autre dynamique. Ok. Parce qu'en fait, tu peux lever des fonds. En général, ta première levée de fonds, elle est, je sais pas, entre euh, 350 000 1 million. Bah, tu les dépenses en un an et demi, en de moyenne. Mois. Tu vois. Donc en fait, ton milestone, ce n'est pas la première année de d'existence, de, c'est quand tu n'as plus le thune. Là, c'est le premier instant de vérité. Tu vois. Ensuite, tu as un deuxième instant de vérité, parce que c'est facile de faire 100 000 balles, 200 000 balles, sur un coup. Et toi, du coup, tu parles des boîtes qui font un million, mais qui ont levé des fonds, pas juste qui se lancent en fonds propres, des trucs comme ça. Alors pour toi, il y a un moment, la levée de fonds. Si tu bah fais en une fait, levée de fonds en fait, dans 3 en ans, fait, es en fait, ça dépend de la boîte. Tu vois, moi, je suis sur des boîtes produits qui, qui sont capital intensive, c'est-à-dire qu'ils nécessitent des capitaux pour pouvoir créer le produit. Évidemment, tu as un équilibre à avoir entre les dépenses que tu fais et maximiser ta traction pour être sur le bon chemin, tu vois. Mm. Mais on est sur des boîtes à produits, donc tu as besoin de, de, de capital. Et, euh, et donc je disais, premier milestone, c'est quand tu t'as plus de thunes. Deuxième milestone, c'est facile de faire 100 000 balles ou 200 000 balles sur un coup. En fait, si tu veux monter un business sustainable, tu dois avoir un truc qui est réplicable. Tu vois. Et en fait, tu commences à le trouver autour des 1 million d'euros. Et après, c'est est-ce que tu as une vraie taille de marché ou est-ce que tu réponds vraiment à un petit marché, ton problème Et là, c'est la différence entre la boîte qui va aller à 5, 10, 15, 20 millions et la boîte qui va faire 1 milliard ou euh, 200 millions par mois. Tu vois. Mais euh. sur une boîte qui fait du produit, le CA. Il te reste combien en bénéfices Il te reste combien en bénéfices Je... ouais, En pourcentage. Genre, il y a combien de frais enfin, Genre, si t'as fait un million, en évident, en tes bénéfices, c'est 20%. Alors ah. Un million Je dirais que si t'es pas trop mauvais, en trois ans, tu peux break even. C'est-à-dire euh, gagner autant d'argent que t'en as dépensé. Ok. Ben, on, on parlera des boîtes euh, juste après. On va rentrer justement dans tout ce qui est start-up, etc. Et pour clôturer le gaming, on vous a préparé un petit jeu, du coup. Qui est ouais, je parle de 1 million de CA, ouais. Une tier list. Non, la tier list des jeux, des tokens. Ou du coup, vous allez avoir 7 cryptos qui vont défiler devant vous. C'est des cryptos à consonance gaming, à consonance métaverse. Et vous allez devoir les classer de 1 à 7. 1 étant euh, la meilleure, je mets euh, 1 million d'euros dessus. Et 7 étant euh, la plus pourrie, euh, je ne mets même pas 10 centimes dedans. Okay. Voilà. Sachant <laughs> qu'on aime tout le monde et que on adore toutes les cryptos et tous les gens qui sont ah, derrière non, mais ces cryptos. C'est ce <laughs> voilà. Et vous ne savez petit pas petit... ce qui arrive après. Et c'est en majorité du gaming. Okay. Okay. Crypto numéro 1, qui est Sandbox. OK. Ah, je, 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 dois les, je dois les classer au fur et à mesure qu'elles viennent il ouais, faut que les... vous soyez d'accord les... et la... vous devez être d'accord. une des premières, hein Ouais, c'est clairement dans le top 3. Ouais, clair. Unbox, où est-ce que vous nous placez <laughs> Non mais je vais mettre vrai, premier, attends, 27, attends, ben, attends, on réfléchit, il y a quoi de mieux Ah bah, c'est une bonne approche. Euh... <laughs> dans le secteur gaming pour toi, Sandbox reste numéro Pas un. Par rapport à son modèle, c'est celui qui est en place. Hein. Un, un ou deux, moi, je dirais quand même, hein. justement pas. Ouais, vas-y, on ouais. va mettre deuxième. Au cas où. En fait, on fait déplacement. Par rapport au modèle du jeu. Ou ou hein. il fait... Non, c'est faut que vous soyez d'accord. Non, ça, On est ensemble d'accord. Ah, on est d'accord. Ok, ok. Ouais, T'es chaud, on met en deuxième. Deux très bien. Je pense qu'il peut y avoir une belle surprise euh, plus tard. Ah ouais, crypto suivante. Euh, Ultra UOS si vous connaissez... Si, je connais... Euh, je connais pas. Projet français. Si, je connais, je connais, je connais. C'est le Steam Web 3. Ouais. ouais okay. En fait, ce que, ce que je dis dans Ultra, c'est... En fait, ils veulent tout faire. Ils veulent faire leur blockchain, ils veulent faire leur Steam. Euh, et du coup, ça fait que... Bah, tu proposes une solution un peu centralisée où tu es obligé d'utiliser euh, toutes les features que le mec te propose pour être sur leur Steam. Euh, donc, euh, c'est pas trop aligné avec l'ouverture de, de, de la blockchain. Je mettrais ça plutôt en 5, 6 ou 7. C'est large. 7 non. Ah non, Il peut y avoir une surprise plus ah, tard, donc il, on va mettre 6. Euh, alors, il peut y avoir des trucs pourris. Ouais. C'est vrai, il peut. Peut-être pas. Troisième crypto euh, c'est ovali Je sais pas si vous connaissez. Donc, euh, jeu fantasy, euh, card. Euh, J'ai euh, des tokens. Euh, voilà. <laughs> Euh, mais basé ah, sur le ah rugby. <laughs> Donc c'est un so rare, mais en rugby et ouais. ils ont décidé de sortir un token ce qu'on n'a pas fait so rare. On est à Toulouse. Donc euh, voilà. <laughs> Typiquement je leur avais dit de pas sortir un token. <laughs> ah ouais euh... bah, c'est un des exemples où euh, je pense qu'ils sont un peu mangés dans la gueule ouais justement ouais. Le, le token. Mais c'est une bonne team, les mecs sont les mecs sont sympas, ils ont fait un bon jeu, ils ont réussi à faire marcher un bon jeu sur Polygon. Bah, autant euh, on parlera de jockeys, mais euh, nous on l'a fait sur Star sur Star StarQuer, comme, comme rare pour abstraire au maximum la blockchain. Ils ont eu les couilles de faire ça sur, euh, sur une vraie blockchain layer 1. Euh, du coup, on, on peut les mettre 4-5. Le fantasy 5. game, c'est bullish pour vous Vous aimez bien ce, cette en économie En fait, comme je te disais au début de l'émission, le fantasy game, c'est basé sur la réalité. Donc si tu veux pouvoir jouer beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de récurrence. Okay. Okay. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de matchs de rugby Non. Donc, tu vois, genre en fait, je vais pas dire euh, est-ce que le fantasy game c'est porteur, c'est si tu me ramènes un jeu avec plein de récurrence, tu te dis ah ouais, ça peut marcher. Okay. Et ça peut, ça peut être vu comme de l'investissement Ça peut être vu comme De l'investissement sur le joueur. que comme un jeu. Ouais. Ouais, en mode tu Après paries sur année, le talent, euh, ouais, euh, ça, euh, comme son art. Ouais, même ah chaque alors. année, t'as des nouvelles cartes qui sortent. Ouais, bien sûr, mais tu ouais. prends Parce du pont et genre, genre va 5 ans, exploser il Tu vas en un an. C'est le token de rugby. Donc, le token d'Ovalie, où c'est que vous le placez 5. Okay. Donc, devant Ultra, quand même. Un crypto suivante. Un token suivant. C'est Cross the Ages, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, où est-ce que. Est à toi. <laughs> non, non, non. Pas. Le... Alors, on a reçu Samy, ouais, et, ouais. et pour le coup, c'est un des rares tokens où tu as une vraie explication euh, comme quoi c'est baqué sur le monde réel. Euh... Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est avec ma, mon, ma, mon autre boîte Equisafe qu'ils ont fait le, la collatéralisation avec le, le minage ah et, ouais. leur, euh, et leur token. Est euh, premier, premier, premier. Samy a un mec visionnaire, vraiment, il, et, et c'est un tafeur. genre Moi, je considère que je bosse beaucoup, mais Seb Borger et Samy, ils dorment moins que moi. Donc, euh, je pense que Samy, il dort encore moins que Seb Borger. <laughs> Et Thomas doit être d'accord aussi. Ouais, je ne je, je sais pas s'il si dort beaucoup, mais... Et oui, et en fait, il <laughs> y a tout un univers dans Cross Diagés, que ce soit le jeu de trading card game, alors un peu magique, la série qui va sortir, où ils ont réalisé un premier épisode, euh, le MMORPG avec l'open world qui va sortir, euh, les cartes physiques. J'adore Sami, il est incroyablement minutieux. Genre quand il fait un truc... Il te le fait aux petits oignons quoi. Il allait chercher les mecs qui faisaient les cartes de Pokémon, tu vois, pour te faire ces cartes de Cross the ages. Mais a raison. Mais c'est comme tu disais toi, le mec de Spotify. Tu fais de la musique. Grave. Ouais. Donc 1, euh, Cross the Ages. Ouais 1. Allez grand gagnant Cross Dedes. Grand <laughs> gagnant Cross Dedes. Crypto suivante. Euh, ouais. IMX. Qui a été une blockchain, enfin, euh, qui a été, qui est ouais, toujours immutable. Blo... Ouais, immutable, qui est une blockchain dédiée <laughs> justement pour euh, les jeux. En fait, moi, ce qui me fait marrer avec immutable, et, et d'ailleurs, je n'ai pas compris, c'est qu'ils utilisent l'une des technos de Starkware. Ouais, genre, ils se vendent comme une blockchain, mais ils utilisent la blockchain de quelqu'un d'autre qui a déjà <laughs> deux blockchains. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. Genre, Starkex et Starkware, qui sont deux. Un espèce de. Une chaîne. Euh, une side-chain qui est Starkex. Et la main-chain qui est Starquare. Bah, ils ont copié et ils ont niché pour en faire leur narratif. Donc, euh... Je ne sais même pas euh... s'ils ont copié. Je crois qu'ils utilisent leur technique. Ah oui, ok. C'est des clients de Starquare. <laughs> Peut-être. Ça... des clients de Starquare. Je suis quasiment sûr à 99%. C'est des clients de Starquare. Un euh... avis, Thomas, sur euh, IMX Pas du tout. juste la merde. Il <laughs> y a beaucoup de jeux qui sont. Sur IMX. qui sont sur IMX hein. il me semble que Metafight sont sur IMX les, les cartes de Metafight sont sur IMX ok quelle place oui que Thomas il trash qui ouais, IMX ouais. et je lui ai dit mec c'est pas, pas sur ça que ton projet il est. il m'a dit ouais on s'en fout c'est de la merde <rire> <rire> non, bah, non, on, met septième, on met 7ème on met 7 IMX septième. allez et il y a peut-être plus nul là vous avez laissé euh, 3-4 c'est dangereux sûr, top 3 ça peut être dangereux ouais. suivant euh, Gala. Gala Game, qui était assez surreprésenté en 2021. Grave est... surreprésenté. Mmh. Ouais. J'ai euh... jamais vu quelque chose de partir de là, mais. Tu sais que. J ai, j ai... Alors, peut-être je me trompe, mais je, je suis quasiment sûr à 99% que c'est avec eux. Il y a une histoire trop drôle avec Dogami, on a, on a failli avoir un contentieux avec eux. Euh, mmh. Souvenez-vous, au début, euh, on avait. Euh, on utilisait beaucoup le mot pétaverse. Ouais, vrai. Alors, En fait, j'adorais ce mot parce que. Ça, ça, a une, ça a une définition aussi physique, le pétaverse dans l'univers et tout. Et, euh, et ça faisait pète, verse, tu vois. Et en fait, et, mais nous, c'était un, un nom secondaire. Le jeu, c'était Dogami. Eux, il me semble qu'ils ont créé un jeu qui s'appelle Pétaverse. Okay. Et du coup, genre, ils nous ont attaqué en justice. <laughs> et nous, on leur a dit bah attends, c'est pas notre nom principal, donc ça n'a pas de sens. Et là, je vous jure, c'est vrai, il y a LG Electronique qui les a attaqués eux parce ah ouais qu'ils avaient déposé. Je sais pas, au BVI, je sais pas où. Le mot pétaverse, pour je ne sais quelle raison. Et du coup, ils ont arrêté de nous attaquer. Ils sont occupés de... <laughs> <laughs> C'est pas mal. C'est une anecdote. Euh, C'était un gros épisode. Et en plus, je crois, Animoca est investisseur chez eux. Ils étaient investis chez nous. Ça se battait, Ils faisaient un peu les middlemen. C'est drôle. Gala était big à l'époque. Avait... De toute façon, il y avait Sandbox, Mana et, et Gala à l'époque. Ouais, bah... les... les trois grosses boîtes qui avaient bien, ah, bien on les met quatrième. Euh... Allez, gala quatrième. Et je pense savoir quelle va être le troisième. Illuvium. Ah, très stylé. Très, très, très stylé. Euh, de mémoire, Illuvium, ouais. c'est un des jeux qui a, le plus, qui a eu le plus d'utilisateurs euh, uniques blockchain. Bah, c'est un des rares qui était triple A déjà, pour commencer et, dans la blockchain. Il y avait l'aspect triple A aussi. Ouais. Ouais. Et après, ils ont tous essayé de le copier et tout. Ouais, non, je pense que le top 3, il est bien. Vous êtes content là de tout le classement? Ouais, top 3, il est bien. Bon, bah, les amis, si vous avez trois tokens à retenir dans la catégorie gaming, ce serait TTA, Sandbox, Illuvium, peut-être un autre qui n'est pas présent ici et que vous avez envie de, de shout out. Ouais, J'aurais euh... aimé, aimé que tu, tu m'aides à chiller le deux gars, quoi. Parce que tu vois, typiquement. Le bah non, gars, hein. moi je ne fais pas de conflit d'intérêt, je ne te, <laughs> te fais pas classer ta propre crypto. J'avoue, j'avoue, j'avoue. <laughs> Et tu, justement, là tu peux te dire maintenant, les gars, Dogami. Ouais, non, mais en fait, c'est un peu le, les conseils que je te donnais. Et, et Dogami, on, on a lancé le token trop tôt, on n'avait pas les utilisateurs qu'il y avait. Euh, on a pivoté, on a créé un premier jeu qui n'a pas marché, on a créé un deuxième jeu, donc ça nous a pris plus de temps. Aujourd'hui, le deuxième jeu, il marche de ouf. Mm -hmm. Mais en fait, on a mis tellement de temps à le sortir que là, il faut rattraper, euh, euh, il faut rattraper euh, tous les dumps des investisseurs sur les deux dernières années. Euh, et, euh, et voilà, et typiquement, le jeu a une traction de ouf, mais le token n'est pas du tout aligné sur, euh, sur, sur l'attraction du jeu. Ok. Et de toute façon, c'est quoi, juste pour comprendre, le ouais. business model, il repose to sur le token ou pas le jeu Est-ce qu'il y a un lien direct Oui, bien mais... sûr, bien sûr. En fait, tu dois acheter des. Euh... Donc en fait, le nouveau jeu de Dogami qui s'appelle Dogami Academy, okay. c'est un jeu euh, de, de, de course euh, à obstacles. Donc tu, Vous avez peut-être déjà vu euh, les concours de chiens où ils slalom, ils vont dans des trucs qui ouais. sautent, bam bam bam. Donc en fait, c'est ça, sous ce forme de jeu vidéo. Et toi, tu dois entraîner ton chien, évidemment, euh, tu as un certain temps par jour, donc tu dois dépenser des dogas pour pouvoir l'entraîner plus longtemps. Et tu peux aussi acheter euh, des, euh, des, euh, des artefacts qui vont lui permettre de lui donner un booster, genre quand il est en train de nager. Hmm. Et, euh, et donc, tu utilises le token et on gagne hein, de, de la thune avec le token euh, tous les jours, un truc pas dégueu, tu vois. Mm -hmm. euh, mais ça suffit pas à faire remonter, à compenser, le, à compenser euh, le, la pression vendeuse. Euh, encore. Okay. Il vous reste combien de bah, temps de listing Il de... y a quand même un avantage dans tout ça, non C'est que les investisseurs, ceux qui avaient les gros caps ils sont plus là maintenant. C'est-à-dire qu'ils s'appelaient que vers le plus. Ouais, mais jeu. en fait, euh, va convaincre un mec de venir jouer à ton jeu quand on... le graphe il est comme as, tu vois. Comme on l'a dit tout à l'heure. Dans la logique, c'est vraiment que sur ce qu'on disait tout à l'heure, les jeux jusqu'à maintenant qui sont dans le web 2 qui sont joués, ils n'ont rien à gagner, les mecs. Il y a toujours, tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais le fait qu'il y ait eu ce graphe, le fait que quand tu cherches Dogami, tu tombes sur le Doga, ouais. tu vois, genre, ça crée pas euh, une bonne vibe ouais, ouais, au ouais, cours ouais, du projet, plaisir. tu vois. C'est comme le... les boîtes en bourse. Il suffit que ça se casse, à gueule en bourse, et les gens se disent « Ok, cette boîte, elle ne vaut plus rien, on Grave. retire tout et tout. » Alors que ça n'a rien à voir avec la, la trésor qu'ils ont envoyé, c'est Et tu peux pas faire une pression acheteuse par rapport à directement la vente, etc., et que vous revendez pas, vous Juste par curiosité, je pose la question. C'est-à-dire, En gros, en fait, de toute façon, ils sont obligés d'avoir du token. Ils peuvent soit le gagner, soit l'acheter. Ouais. Vous, après, qu'à vous le recevez, est-ce que vous le convertissez pour... Euh... Jamais. Jamais, ouais. Bien, tu ne peux pas faire ça. Euh... Non, on est d'accord, mais je posais la question quand tu même. Tu ne peux pas faire ça au début. D'ailleurs, c'est un très bon point. Ça, c'est un des problèmes aussi avec le faire son CA en token. C'est qu'en fait, tu es conflicté. Tu mmh. fais du CA en token, mais tu peux pas le vendre. Ouais, tu le sors. maintenant, parce que tu le sors ça d'homme. Donc en fait, euh, est-ce que tu fais vraiment du CA Tu vois ce que je veux dire si tu peux Ouais, ouais. Tu ouais, C'est difficile. Et bah là, tu reviens du coup sur la boucle, moi, que je dis. C'est le Web 2, il vend du token. Du coup, le token que tu as gagné de tes utilisateurs. Tu leur revends pour qu'ils le réutilisent. Et t'as le cercle vertueux. que je viens de mettre en avant. Ouais, mais du coup, si tu revends celui que tu récupères, tu, le revends celui un que autre tu joueur, vendre. Tu le revends à un autre joueur. Parce que c'est ta masse de joueurs. Plus. En fait, c'est celui que tu as récupéré avec ton utilisateur, il ouais, a défoncé. Ça, ça part du principe que tes utilisateurs vont continuer d'augmenter dans le temps. C est, c est, je, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais effectivement, après c'est, je suis d'accord avec toi. Après, l'objectif d'un jeu, c'est que c'est pas atteindre une sorte de, de cap de joueurs, tu vois. De toute façon, regarde, si on prend les modèles par exemple Clash of Clans, qu'on disait tout à l'heure, eux ils ont encore là euh, en 2022, ils avaient 75 millions de joueurs, tu vois. Ils gagnent encore 624 millions de dollars. Les mecs, ils achètent encore, tu vois. C'est pour utiliser dans le jeu. Dans cette logique-là, tu vois. Il ouais. y, y a une pérennité qui peut se mettre en place, j'imagine. Est-ce que le meilleur modèle, ce ne serait pas du coup d'avoir un chiffre d'affaires qui n'est pas du tout lié au token, mais qu'il y a la publicité, ou dans l'exemple de Cross Ages, qui qu'il y a une infrastructure réelle et de buy back ton token avec les bénéfices Oui, bien ouais. sûr, en fait, évidemment c'est mieux entre guillemets parce que du coup faut faut, faut trouver un autre business model, une Exactement, autre source vois, de revenus tu qui est faut autre. avoir la thune pour lancer l'espèce le, de business qui va rendre ton tes revenus hum. récurrents, sustainable. Et il euh, faut que ce business fasse assez de thunes pour financer le business. Donc, euh en gros, bah, aussi, euh, ça peut être une IP, comme on a vu avec Pudgy, qui eux s'en sortent euh, wow. bien. Et c'est peut-être le meilleur projet parce que derrière, ils vendent des peluches, ils vendent des machins. Et en fait, ils ont un CA qui est décorrélé de. Euh, oui. le... C'est un très bon point. J Après, j'ai un point. Tu vois, je, je suis dire. totalement d'accord. Hein. En mode, une économie sur un token doit être une finalité qui se fait par rapport à tes utilisateurs, comme tu expliquais, t Je suis totalement d'accord. Et je pense que toutes les gaffe, personnes oh. dans la GameFi sont d'accord par rapport à ça. Maintenant. Évidemment qu'un jeu, il a un intérêt à aller chercher des sources de revenus à côté. Par exemple, moi, pour consolider mon CA et consolider le token, au début, je fais des casual games où je vais vendre de la pub aux personnes qui n'ont pas de NFT. Pourquoi Parce que j'ai un intérêt que, soit tu achètes un NFT, tu me fais gagner de l'argent, tu deviens une sorte de licence, une licence dans mon univers, ou soit directement, bah, tu vas me faire gagner de l'argent par rapport à la publicité. C'est pour ça que je parlais des 4 euros pour les 1000 vues mm -hmm. sur les casual games. Après, il y a tout un intérêt de les faire revenir régulièrement avec des actions, etc. J'en ai à dire. Et voilà, moi, c'est comme ça que je vois le modèle. Ouais, mais euh... alors ce que je vais dire, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais, di mais différemment. En fait, ce que je, ce que je voulais dire, j'ai encore oublié ce que je voulais dire <laughs> par rapport à, à l'IP, par rapport à ouais, l'IP. <laughs> euh, ça me fait trop marrer les gens qui viennent te pitcher et qui te disent, bro, je vais te balancer la nouvelle IP de notre génération, tu vois. <laughs> <T 'as> pas <rire> <sou>. <rire> <laughs> il a tu dit, dire, frérot, euh, 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 ton IP, ce directeur. sera vraiment une IP quand il y aura quelqu'un d'autre qui voudra payer pour l'utiliser. Tant que personne ne fait ça, gros, tu n'as pas d'IP. Donc, elle ne me vend pas un lore de ouf, une histoire de malade. Oublie. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur Mais... qui te paye pour utiliser ta licence, tu n'as pas d'IP. Oui, bien sûr. Mmh. Ça personne aux frères. Donc, frères. Euh, donc, en fait, oui, pour revenir à toi, c'est. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, ça se passe jamais comme prévu. <laughs> Donc, et, et en fait, tu vois, y, y, on, tu cites plein de trucs. Euh, Est-ce que tu vas réussir à tout faire Est-ce que tout va rentrer en osmose au bon moment, comme tu le penses dans ta tête, dans la réalité C'est tous ces facteurs qui font C'est pour ça. Je te dis, genre, moi, mon approche, c'est toujours minimiser les risques. Exactement le seul truc dont tu peux être sûr, c'est contrôler des dépenses, contrôler les prises de risques que tu fais. Minimise-les. Au lieu d'essayer de les maximer, maximiser en pensant que ça va te permettre de trouver la solution plus vite et d'aller plus vite. En fait, ça va te permettre, ça va juste tuer ta trésor et t'empêcher d'avoir le temps de refaire ta culbute. Je suis totalement d'accord, mais en fait, dans tous les cas, il y a, y, a y, y a un axe qui fait un commencement. Le commencement, si c'est sur le jeu directement, évidemment que si tu pas de joueur, le jeu, il meurt. Si demain tu as un token et que le token ne marche pas, tu meurs. Si demain le token marche et que le jeu meurt, tu meurs. En fait, ce que tu vas me dire, moi, ce que j'entends, c'est que dans tous les cas, le jeu, déjà, il doit être bon pour pas que les, euh, les investisseurs perdent de l'argent en fait sur le token, mm -hmm. dans ta logique. Okay. Et je suis totalement d'accord. Sauf que c'est là où, en fait, moi, mon business model, comment je le vends, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'on n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je transpose les réussites. En fait, moi, je viens sur des modèles qui existent déjà et te dire, mais en fait, avant, tu ne gagnais pas. Tu jouais déjà et tu n'avais juste l'expérience utilisateur. Et moi, en fait, je viens juste te proposer plus. Et par rapport à ça, on fait du marketing très ciblé, en fait sur les ouais, utilisateurs tout, de jeux. Tous les gens qui les ciblent, ces gens-là dont tu parles, ils, ils leur proposent un truc en plus, tu vois. Ouais. Tout, tout le monde dit j'ai un truc de mieux que le voisin, tu vois. C'est pas un argument de dire ça qui va convaincre le gars, L'argument c'est que, encore une fois, hein, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est l'argument du Web 3 C'est par rapport à l'utilisateur. Tu joues au jeux vidéo, tu as juste l'expérience utilisateur. Tu as dit tout à l'heure, par exemple sur, sur ta monture. Si ta monture demain tu pouvais la revendre, si ta monture demain tu pouvais la louer. Ça reste cet avantage, tu vois. Et moi, ben c'est oui. ce que je viens proposer. Oui, ah ouais, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis aussi. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il y a une course en fait au premier qui va réussir à valider ce modèle, soit par rapport au jeu et après de la tokenomics qui vient par la suite. Mais moi, je pense que la tokenomics peut être une force pour les premiers joueurs, pour les premiers participants, pour créer cette communauté plus rapidement. Et j'entends que la rapidité, pour toi, n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant parce qu'une entreprise, ça prend pas un an, ça prend trois ans. Et j ouais, mais encore une fois, tu vois, les, les premiers mecs que tu vas attirer avec le token, ça va pas forcément être tous des joueurs. Donc en fait, by design, tu vas pas créer une communauté saine pour ton jeu. Et tu là... vas tomber dans ce cercle vicieux. Il y a un mec qui demande IP. IP c'est pour propriété intellectuelle. Euh, genre tu crées euh, le, la marque euh, Pokémon. Bah comme il y a plein de gens qui l'utilisent pour faire des casquettes, des tout meubles, des films, tout un univers. Donc il y, y a une propriété intellectuelle et qui, qui, qui est licenciée et qui permet à tout le monde de faire mm. de, de l'argent. Mm. Euh... Genre, si tu fais des peluches Pokémon et que tu les vends, mmh. tu dois leur reverser de la thune. Et seulement si tu te fais choper par la police, ouais, <laughs> poly... ouais, ouais. contacte ouais, ouais. l'agence et que l'agence répond. Ah, ok, d'accord. C'est C'est une misconception, comment dire en français Une erreur. Ouais, si, j'arrive pas à le dire en français. Ouais, non, une, une mauvaise conception. Une... Ouais, ouais, j'ai galère. Il y a un truc que les gens croient qui est totalement faux. Euh... C'est quoi le mot C'est que. T'as dit une croyance. Il a dit c'est une, une croyance, ça. Dis... Il y a quelque chose que j'en crois et qui est totalement faux. Euh, non, dans dans, dans l'écosystème gaming Web3, ça c'est un conseil pour toi. Et voilà. pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent faire des jeux vidéo. Et je l'ai vu. Je, je l'ai vu en réalité, je l'ai vu marcher, et je l'ai testé, et, et ça a marché. En fait, la plupart des gens pensent qu'en faisant de l'acquisition de joueurs, ça va faire augmenter leur token. Ça c'est ce que les gens pensent de manière rationnelle. Ils Disent plus j'ai de joueurs, plus mon token va augmenter. En réalité pas forcément parce que tout le monde ne va pas forcément utiliser le token. Tout le monde ne va pas utiliser le token comme tu l'entends. Euh, et du coup il va pas forcément ou peut-être les gens vont le vendre dès qu'ils l'ont. Donc, donc avoir plus d'utilisateurs c'est pas sûr que t'es plus de que ton token prenne de la valeur. Par contre Si ton token explose, là je te garantis que ça va t'amener des utilisateurs. C'est comme Ethereum. En fait, Ethereum a tellement enrichi de gens que les gens restent sur Ethereum. Mmh. Euh... Et en fait, ça c'est une... une erreur que font beaucoup de gens. C'est que. D'ailleurs, ils font deux erreurs. Le premier, c'est d'essayer de faire de l'acquisition sur leur token et sur leur jeu. C'est deux choses différentes. Et... et ça fait dépenser deux fois plus de thunes. Et ça fait, beaucoup plus, ça fait deux fois plus te disperser. Et la deuxième, c'est que si tu as beaucoup d'utilisateurs, ton jeu va exploser. Moi, ce que je dis, c'est que si tu as beaucoup d'utilisateurs, ton jeu a plus de, ton token a plus de chances de marcher, mais il garantit pas de marcher. Par contre, si ton token explose, t'inquiète que les gens ils vont jouer à ton jeu parce qu'ils vont être curieux, etc. Et, euh, et du coup, si tu veux vraiment lancer ton token tôt, et d'ailleurs, c'est la stratégie de My Lovely Planet, leur token a explosé ils ont fait de l'acquisition utilisateur. Grâce à leur token. Il est sorti le MLP Le jeu, le jeu alors... Non, le, pas le jeu, le, le token est sorti Mais bah, Ils ont fait la réaction. Oui, non depuis, longtemps, depuis longtemps. Ouais, Ils avaient fait la réaction qui a bien ouais. marché pendant le BR. Ouais, ouais. J'ai dit non à la. Exactement. Ok, well, alors. Donc, donc, donc ouais. mon conseil, c'est si tu veux lancer ton, ton, ton token tôt, genre, assure-toi que. Le... Fais que de l'acquisition sur le token, assure-toi que le token explose pour que euh, tous les gens qui se connectent sur euh, leurs exchanges, sur CoinMarketCap, quoi, te voient en mode bam, bam, mmh, bam. Le de mec cul, ouais, est toujours au-dessus, hein. toujours au-dessus, ouais. toujours au-dessus. Ouais. Et, euh, et du coup, ils vont s'intéresser, ils vont cliquer, ça va générer du trafic, les gens vont tester, s'ils s'enrichissent, ils vont rester, mm -hmm. etc. C'était bah, le et cas pour AXS à l'époque. Tout le monde voyait Axie Infinity pumpé sur CoinMarketCap, on s'est dit c'est quoi ce jeu, je vais le télécharger. Exactement. Par contre, derrière, comment tu gardes la hype et comment tu fais pour que le token... Il faut Deme que tu aies un bon jeu. Et là, il faut que tu aies effectivement l'expérience utilisateur qui rentre dedans. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, moi, je vais... Dans ce que tu dis, je suis totalement dans cette stratégie, mais j'ai en rajouté un deuxième pan. Le deuxième pan, en fait, c'est les casual games. Pardon, pardon. En fait, pour moi, qui sont une sorte, j'ai une stratégie en trois points. Il y a la création de marché par le token. Il y a les casual games pour attirer du joueur, pas le convertir, attirer du joueur. Comment on économise ça bah, c'est très simple. La publicité par rapport au nombre de parties, comme je l'expliquais tout à l'heure. Un bon casual games, il fait venir rapidement du monde par rapport à de la Publicité liée directement à tous les réseaux qu'on voit qu'on est infecté de, infecté de ça. Troisième point, c'était en fait moi que je propose directement un NFT qui va être interopérable dans tous mes jeux, qui va rapporter en fait directement une sorte d'avantage. Dans son premier jeu, il n'y a qu'un jeu. Non, deux, de en parallèle, directement. Deux en de parallèle, deux ca de okay. casual games. Ah, Excuse-moi, deux casual games direct. Et en fait, à ce moment-là, après, je propose mon troisième point, qui est de les convertir. Pour aller chercher en fait, l'économie que tu disais tout à l'heure pour stabiliser en fait, le token. Parce que tu ne peux pas proposer un, un, un univers qui repose sur un token au début. Je suis totalement d'accord avec toi. Et le quatrième point, c'est de proposer du coup un big games, comme j'appelle, c'est Clash of Clans du Web3, où là en fait j'ai validé ma balance entre les utilités et les rewards. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, je suis totalement en adéquation. Je pense juste qu'en fait, je pense qu'il y a ce coup à tirer sur les casual games, parce que les casual games, c'est les jeux les plus accessibles au grand public. Tout le monde a un téléphone portable et tout le monde a déjà joué à un jeu Casual Games. Et c'est pour ça que je vais sur cette voie. Et Après, bien. effectivement, il y, y a la stratégie de les garder dedans et d'être très intéressant sur le token. Il y a des mecs qui avaient fait ça, c'était Grape. Tu avais passé ça Grape, non. C'était un studio de jeux vidéo et ils avaient sorti des NFT. Et tu stackais ton NFT, et ça te faisait rapporter. Et les mecs, ils faisaient des 50 000 euros par jour avec leurs jeux en, en publicité. C'était ouais. des casual games avec des fruits ou bah, un, un truc comme ça. Ça va très vite, hein, la, la, les, les jeux mobiles. Font énormément d'argent par rapport à la ouais, publicité. Que ça représente 80%, c'est ça, en fait, niveau bénéfice. Ah, franchement, c'est impressionnant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va en fait généralement entre 5 et 13 dollars les 1000 vues. Ouais, c'est ouf. Vous euh... vous rendez -vous compte que si vous êtes un million d'utilisateurs, par exemple, le jeu de la pastèque, on l'a tous vu passer ce jeu. Ouais. C'est quoi ça <laughs> bon, C'est un jeu à un casual games, okay. tout Donc, simplement. Mais la pastèque Non, non ah, tu le euh... ça faisait en fait une pastèque à la fin, tu les faisais fusionner. Okay. Jeu à la con. Un casual games. Ils avaient plus de 10 millions d'utilisateurs, mais d'une rapidité hors du commun. Imaginez la publicité. Les gens, ils jouent, ils sont accros. C'est des casual games. Ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. C'est quoi, quoi le jeu là aussi, euh, Candy Crush là Ça, c'est casual ce games. Candy Crush, et eux, par exemple, ils ont une autre stratégie. Ils ont enlevé la publicité parce qu'ils considéraient que ça faisait quitter leurs clients. Pour euh, fonctionner, ils ont directement proposé des options achetantes dans le jeu parce qu'en fait, c'était 90% pratiquement de leur chiffre d'affaires et la publicité était 10% qui faisait partir les clients et qui les empêchait ouais. d'investir dedans. Après, les, les jeux vidéo ont, un, ont des économies par rapport au modèle du jeu, tu bien vois. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais. A... Après, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien comme économie dans les modèles de jeu, c'est qu'on te propose de regarder la publicité pour gagner du token. Et soit tu dis oui, soit tu dis non. Comme ça, c'est pas ouais, ce intempestif et t'as un intérêt. C'est un peu comme Brave, ça. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est une bonne approche. Ça, je trouve que c'est faire, tu vois. Genre, on ouais. te met pas la publicité dans la gueule, on te dit si tu la regardes, tu gagnes des trucs tu la gardes pas euh, continue à jouer mais t'as pas de points c'est euh, ça s'entend pour ouais. moi c'est euh, ça s'entend c'est un on modèle on va parler un peu plus euh, des boîtes c'est quelle heure on est à la moitié on est, on est à la bourre non, non on a pas la bourre mais là faudrait penser à ah. passer aux news bon, on va parler un peu des boîtes quand même bah ouais les... faut que j'aille aux toilettes vas-y j'irai après aussi c'est la pause hein non non c'est pas la ah. <laughs> a pas de mode. du coup il va aux toilettes là quand même, et ouais. eh ben, c'est moi qui vais reprendre là <laughs> C'est quoi euh, le pire défaut que peut avoir un salarié Genre tu le vois en entretien, tu le prends pas. Vas-y. <laughs> Laisse-moi réfléchir. Franchement, il y a tout. Euh... Il est en retard. C'est ouais. le gros red flag. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Généralement, ça veut dire il peut y avoir la meilleure excuse. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est con, mais c'est vrai. <laughs> en fait, c'est difficile de juger quelqu'un sur une heure. Ouais, bien sûr. 30 Mais c'est peut-être un trait de caractère. Un comme ça. Donc, Tu, tu m'avais dit euh, le pire trait de caractère qu'un employé peut avoir. Ouais. Je sais de quoi te répondre. Mm. Mais t'as dit en entretien, en fait Ouais, en fait, ouais, c'est un ouais, truc sûr. que tu vois chez lui et tu dis ça, pas, ça va pas être possible. Et ça, ça peut être que tu le vois après, tu vois. Mais voilà, un truc qui, pour toi, est red flag. En on the spot, typiquement, j'aime pas les gens trop sales. Ouais. Euh, C'est quoi, les gens trop sales Ils parlent trop vite, ils essaient de t'enfumer, ils donnent pas trop de détails. mec d'école de cours. En fait, tu peux te dire, quand t'as pas d'expérience, tu te dis, waouh, ce mec euh, est ouf. Ouais. Et en fait, euh, comme on dit, qui, qui peut le plus peut le moins. Et moins tu parles plus tu fais des faits, tu vois. Les bons éléments, ils te démontrent... Euh, Doucement, clairement, sans trop en faire. Ils sont plus chirurgicaux, tu vois. Ok. Ils euh... n'ont rien à prouver, quoi. Non, c'est pas. Ils n'ont rien à prouver. C'est que euh, ils en font pas trop pour se donner l'impression d'être, te donner l'impression d'être énorme. Ils te citent un truc, et en fait, comme c'est un vrai truc, un vrai challenge qui qu sont surmonté, qui est stylé, bah en fait, tu te dis ah ouais, putain, j'aurais bien qu'il fait faire ça, ou je vois la difficulté de faire ça, donc je te kiffe. Donc en gros, ce serait les mecs qui font semblant, enfin, qui parlent trop, qui mettent trop de paillettes, trop trop commerciaux. Ouais, tous ceux, ceux, qui, ceux qui en font trop. Euh, encore une fois, qui peut le plus peut le moins. C'est vraiment genre, ça peut pas être plus vrai dans n'importe quelle situation. Moins tu parles, plus tu as l'impression d'être un mec qui sait de quoi il parle, entre guillemets. Genre. Et plus tu es, es précis, plus tu as, as l'impression d'être un mec qui sait de quoi il parle. Okay. Et, euh, et voilà, et c'est pareil en entretien. Et moi, j'ai la question, je donne la question d'Elon Musk. Je dis. Euh, euh, Donne-moi un exemple d'un truc que tu considères ouf, incroyable, excessivement difficile, et explique-moi de A à Z l'aventure. Genre, t'as fait un trek de trois de, 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 de jours, vas-y, explique-moi comment t'étais le premier jour, comment t'étais le second jour, comment t'étais le troisième jour. Euh, T'as construit euh, le faucon millénaire en Lego. Vas-y, explique-moi. Est-ce qu'il y a un, un moment qui t'a rendu ouf euh, Quel a été le déclic Tu vois ce que je veux dire et, et en fait, c'est simple parce que cette question elle est top parce que si t'es pas le mec qui a fait ce truc de ouf, tu peux pas l'expliquer. Ouais, tu peux pas expliquer. Je d'accord. Donc, euh... quoi le truc le plus ouf qu'on t'ait dit euh, justement par rapport à cette euh... question Oula. Le truc le plus ouf qu'on m'a dit. En fait, on m'a toujours déçu euh, dans cette question. <laughs> c'est ça la vérité. Et toi <laughs> Du coup, c'est quoi le truc le plus ouf que tu fait Si demain tu en... en train de faire un entretien, tu devais répondre à cette question. En vrai, c'est super intéressant. Euh, ok, il y a plein de trucs que j'ai fait qui sont stylés. Euh... C'est un entretien d'embauche Est-ce qu'on va t'embaucher <laughs> J'adore, bien joué, bien joué de me retourner le truc. <laughs> euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah, euh... Ah, bah ça, c'est un truc de ouf que j'ai fait. Euh, et c'est véridique, il y a plein de gens qui sont témoins. Euh, Qu'est-ce que ça Oui veut et non. Il y, a plein de gens, il y a plein de gens qui croient que j'ai hacké LinkedIn en fait. Okay. Et j'ai pas hacké LinkedIn, mais j'ai réussi à contourner l'anti-scrapping policy de LinkedIn pour pouvoir récupérer mes genre euh, 120 millions de profils. pas mal. Et, euh, et en fait, alors, et, et, et quand je l'ai fait. <laughs> J'aime bien les spectacles. Donc tu vois, quand je l'ai fait, j'ai refait mon script. Et je les refais tourner. Donc déjà, tu vois, tu as un terminal de commande, les gens, ils buguent. Ouais. <laughs> tu balances 2 trois lignes de commande, tu fais tourner le script, le truc, il mouline, les gens, ils sont satellisés. Et, euh, et à la fin, bam, il y a un Excel, un Excel qui se génère. Et j'attrape un gars, je lui dis « Toi, tu as combien d'abonnés sur LinkedIn ?»« 700. » Je récupère sur mon Excel, bam, 700. Et là, ils sont là, bam, un blow. <laughs> et, euh, et du coup, les gens, ils croient que j'ai hacké LinkedIn. Mais parce qu'ils s'y connaissent pas trop. Mais en réalité, à cause du RGPD, il y a beaucoup de sites qui ont mis une anti-scrapping policy. Ça veut dire que c'est très difficile de récupérer la donnée de leur site. Et j'ai réussi à trouver un moyen. D'ailleurs, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que le moyen, c'était simplement. Et ouais, c'était à l'époque. Donc si vous réessayez, peut-être ça ne va pas marcher. Mais euh, je pas à scraper LinkedIn. Je me suis fait un compte premium. J'ai payé le compte premium. Et euh, j'ai réussi à scraper LinkedIn à travers mon compte premium. Donc ils avaient une anti-scrapping policy pour les comptes, ouais, ouais, mais pas pour les gens premium. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai essayé en mode fait, pur hasard. Je dis bon, vas-y, si je payais 50 balles, je pense pas que ça va marcher. Essayons. Ouais, et la bam. Rendipité. Ça a marché. Et, euh, et ça, c'est un truc de ouf euh, que, que j'ai fait. Très stylé. <laughs> très très stylé. Il m'est arrivé un truc comme ça un jour. Euh à la sombre époque où peut-être j'avais 17 ans et tu sais il y avait les MLM qui tournaient à l'époque il y a un mec qui voulait m'onboarder dans un MLM il dit ça va sortir, c'est un truc de ouf et tout, et le site devait sortir dans deux jours, et tu sais tu avais la landing page en mode ça arrive, et moi je regarde et tu sais je fais un truc tout con, je fais un slash dashboard sur le, la, la landing page, tu sais c'est le même nom de domaine je me dis je vais accéder au dashboard avant les autres pour prendre de l'avance et tout, je fais un slash dashboard et je tombe dans le route enfin dans, dans le site à l'intérieur où je vois toutes les cartes d'identité, les passeports, les KYC de tout le monde et tout, etc. Et je reste dessus pendant deux minutes. Et moi, je fais. Ouais, c'est cool. Et je regarde les cartes d'identité de tout le monde, <laughs> des gens qui avaient KYC, euh, les trucs. Je dis OK, c'est de la merde. Je... Enfin, Peu importe. Tu vois, je suis rentré là-dedans. Le lendemain, les mecs, ils font une annonce. Nous avons été hackés, vos kawaii sont en danger, euh, nous devons reporter le projet, machin. Euh, nos hackers sur, sont sur le coup, euh, ils vont trouver le mec. Et moi, j'étais comme un ouf, oh, j'avais 17 ans. j'ai putain, j'ai fait une connerie euh, de malade dans le truc, tu vois. C'est moi. Ouais, mais... Surtout que j'avais regardé comme ça ouais. pour m'amuser, tu vois. Et finalement, bah, les mecs, je crois qu'ils n'ont jamais lancé leur truc parce que les gens ont râlé. Ils ont dit comment ça, nos KOC, ils ont été exposés à tout le monde. Mais c'était un truc pourri, tu vois. J'avais fait un dashboard. T'as tué un projet. J ils se sont, niqué... sont suicidés. Ils étaient là. J'ai niqué contre, un projet. Ouais. Plein de Coinbase Binance, euh, fausse identité, c'est la 23. Non, non, je les ai pas, ai pas volés, mais je me suis retrouvé là par hasard. Dans, dans... Impressionnant. Je pas, ouais. touché, pas, ouais, je pas touché, c'est pas moi. Pas touché. Pas touché. Je suis je suis touché. J'ai d'autres exemples, je peux donner d'autres exemples de trucs Vas-y, vas vas-y, vas-y. Parce que là, ça m'est venu. C'est à ton tour mais après. Il y a beaucoup d'entretiens que j'ai faits. Qui, qui, les gens n'ont pas donné la, la, le, un truc qui m'a pris au ventre, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je ne les ai pas forcément recrutés. Et il y en a qui m'ont plutôt bien impressionné. Mais je vais vous donner un exemple. Mon associé, avec qui j'ai fondé Pirates Lab, Thomas Binetruy, il a créé un compilateur. Donc, un compilateur, c'est une machine ou c'est un logiciel qui va traduire du code dans un autre code, dans un autre langage. Traduire d'un langage A à un langage B. Tu vois. Et, euh, et en fait, c'est des sujets très techniques de recherche qui sont très très difficiles à faire. Et le mec, sur son temps, en mode hobby, il a créé un compilateur qui traduisait euh, du langage très très bas niveau, euh, logiciel, des trucs imbattables, je vais pas vous dire, en du Python. Et du coup, n'importe quel développeur Python pouvait maintenant utiliser cette nouvelle technologie. Tu vois. Euh, on a un dev. Lui, il était impressionnant. Machine. Le gars a envoyé du code en Antarctique et sur Mars. Il y a des fucking commits qu'il a fait pour la NASA. Tu vois ce que je veux dire et là, tu voir à Ce mec est un dieu, je veux bosser avec lui. Euh, et un autre exemple, Piao, notre chief marketing officeuse, euh, officer. Euh, tu ris, je fais un entretien avec elle. Je lui dis Bon, vas-y, tu commences dans 15 jours. Voilà les. Voilà les, les trois grands trucs que je veux que tu fasses pendant les six, les six prochains mois. La meuf, avant qu'elle ait commencé, elle a fait tout ce que je voulais qu'elle fasse pendant les six prochains mois. C'est ça, vrai. les gens avec qui tu veux bosser. On ouais. la voit beaucoup à event. Ouais. C'est une machine de guerre, payer au mec. Thomas, le Et truc, toi, quoi, euh, le truc, truc que t'as fait de A à Z... Euh... Un raid Destiny sans mourir avec toute ma team. Ça nous a pris <laughs> trois jours, les gars, sans quitter l'écran. On reste dans le gaming. <laughs> non, en vrai, euh, ouais, vraiment... Euh... Je pense que je suis encore euh, pas vécu d'expérience aussi folle stylé, actuellement. Ouais. <laughs> mais à part le jeu vidéo, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas l'expo pour nous. Non, mais c'est pas mal ça déjà. Tu vois, pas pas franchement, un vidéo. truc d'équipe, trois heures sans à, à faire un truc perfect au mouvement près. Enfin, franchement, pour moi, j'en suis très très fier. Tu mais vois. Je mettrai sur mon CV. Moi, je pense que. Un des trucs qui me vient, en fait, je m'y attendais pas et j'étais même pas conscient à l'époque où je le faisais grave. C'était, je crois, je dois avoir 15-16 ans, j'étais sur WoW. Et je jouais sur serveur privé, parce que je n'avais pas la thune pour me jouer sur les vrais serveurs. Donc j'étais sur un serveur privé où il y avait quand même pas mal de monde. Et je faisais du farming. Euh, ça s'appelle l'eau de vie de feu, je crois. C'est un truc où tu veux buter des les mecs dans la neige, là, qui étaient pas loin de Regrimar, et j'allais les vendre ça, parce que j'avais trouvé une niche. Il un mec qui me disait Ça, c'est pas mal, tu peux pas mal. C'est du cosmétique, c'est un truc que tu buvais qui te faisait grandir, et après, tu pouvais genre, devenir énorme, c'était un combiné plein dans la ville. Mm. Donc, euh, donc c'était du divertissement. Et j'avais trouvé le truc, et je le vendais, je le vendais, je le vendais. Et en fait, un jour, je suis arrivé, j'avais tellement accumulé de, 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 de PO, de pièces d'or, je me suis dit Mais attends, là, je peux racheter toute la niche, et je leur mets juste, genre, 3 centimes plus cher. Et je dis Ok, hop, oh, je le fais. Je vois que ça fonctionne, ça part tout aussi bien. Donc je monte 10, ça, 10 pièces d'argent de plus, 20 pièces d'argent de plus. Et après, il y a les mecs, parce que tu, sais, tu recevais par, par mail, fin, par message dans la boîte à côté de, de l'HDV, qui c'est qui t'avait acheté. Donc j'avais mes fournisseurs. Et là, ils disaient, ah j'ai vu que j'en ai remis, si tu veux au HDV, vu que tu l'achètes, <laughs> je l'achetais. Et je leur mettais, genre après, je faisais du x2, tu vois. Donc je me suis dit, je faisais ça. Je dis bon, ok, c'est pas mal, mais j'avais atteint ma limite qui était 9900. Comment <laughs> Manipulation de marché de jeu. Ah, ah non, mais euh, attends, tu vois, et j'avais atteint la limite que tu pouvais avoir sur un personnage qui était euh, en dessous d'un de, de million, je crois, donc 999 000. Et je dis, okay, comment je fais Il faut que je trouve une solution pour accumuler plus de PO. Ouvrir un coffre de guild. Là, tu étais quasi limité sur le truc. Tu vois. Je crois que tu pouvais aller à 999 millions. <laughs> donc, du coup, je fais une guild, je mets le truc, je dis, mais attends, mais ça en fait, je peux l'enseigner à d'autres mecs, il doit y avoir d'autres niches. Donc, je, je prenais les mecs, on allait farmer et tout. Et le but, c'était, on a réussi à le tenir un jour, c'était genre prendre une ressource primaire de merde, genre je sais plus ce qu'on avait, c'était les branches, les petites branches, non, les tissus, les morceaux de tissus, les morceaux de tissus pour, euh, pour faire les trucs. On a racheté tout. Tout, tout pendant un seul jour, euh, le, 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 le Sauf que ça, ça arrive en permanence, tu vois. Donc, il fallait avoir de la trésor dans la guilde. mais Toute la trésor, on l'a mis dans ça. Et là, on a fait exploser le truc. Je sais pas, on devait être à, à, à un truc comme 90 millions. Et on est passé genre à, à 300 millions de, de pièces d'or en un, un jour, juste en rachetant des trucs. Parce qu'on avait un fois 5, mais vu que c'était genre 9 pièces de C'est le cube... business model de l'art, en fait. Et c'est un peu ce qu'on fait les board-ups. C'est un enfin, très bon exemple. C'est-à-dire que business model, et c'est ce qu'on fait les board c'est. Il y a une collection d'un artiste qui sort. Tu toute la collection. Donc il n'y a plus de circulating supply. Donc, du ouais. coup, il y a Réglé. plus que de il de... y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et après, ils te distillent un de temps en temps. Et, ils et ont comme fait les, les Bored Apes, ils au ont début. Fait... bah ouais, les Bored ils ont fait ça parce que si tu regardes le nombre de personnes qui ont des Bored je connais des gens, ils ont 40 Apes, mec. Ouais. Tu vois, plein de gens ont plein de Apes. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de owners uniques de Bored en tout cas à l'époque. Et là d'un coup, tu vois, bam, bis qui en balance un. <laughs> du coup, à genre, 500... Ah, 000. Ouais 3-6 mois après, Christus qui en balance un. 2 millions. <laughs> Et en fait, tu te les distilles petit à petit comme ça. Et euh, ouais, c'est le business model de, 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 de l'art. Moi, j'ai pensé à un truc, guys. Est-ce qu'il y, y a un moment où vous avez failli crever ouais. <laughs> ouais. Ouais ouais ouais. À <laughs> Nice-Land. On, on raconte ah, ou oui. pas Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, si tu veux commencer, vas-y, commence. Alors, moi, j'aime bien l'aventure, tu vois. Et j'étais avec euh, deux potes euh, à la fin de mes études. On a dit, vas-y, on va se prendre un mois, trois semaines. On fait un road trip en Islande tout le tour et tout. Et il y avait eu une première coulée de lave, genre il y a deux, trois mois. Mais tu sais, t'as la lave, donc tu peux marcher dessus, ça craque et tout. Et t'as encore de la fumée, tu vois. Okay. Et nous, on voit qu'il y a un petit chemin touristique pour aller sur le, sur le volcan. On dit, non, on va, le... on va pas prendre le chemin touristique, c'est boring, tu vois. On va aller tout droit. Donc, on montait le truc comme ça, sauf que c'est du sable, tu vois. Donc, c'est hyper crevant. On arrive en haut, on dit. Bon, bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser, genre, euh, je sais pas comment on dit, là, le sort de cratère qu'il y a, et, euh, et euh, par le milieu, tu vois, parce qu'on savait que le chemin touristique n'était pas là. Donc là, c'est un truc où personne n'avait marché dessus, donc là, la, 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 la lave faisait vraiment que craquer, et avais du soufre, sa mère qui sortait, genre, à un moment, en fait, c'est pas compliqué, tu tendais le bras, et je voyais plus le bout de mon bras, tellement il y avait de fumée de ce qui passait. Et on était en plein milieu du cratère du volcan, quoi, qui avait okay. séché, tu vois et donc en fait tu es paumé. T es là, tu sais pas, tu sais pas où aller en fait. Tu sais pas si tu tournes un rond parce que il y a pas d'arbre, il y a pas de truc, c'est juste du truc et on commence à commencer à nous brûler. Genre quand on respirait, on nous respirait comme ça et la soufre nous brûlait la gueule. Genre c'était pas agréable du tâche. tout. Donc je regarde, tu vois, sur, je sors mon téléphone, je regarde où suis sur le GPS, tu vois. Je dis, vas-y, il faut aller par là. Sauf que je, je marche, je, vu que personne n'est marché dessus, bah, genre, ma jambe mais s'enfonce de ça. et mon téléphone mais qui non. part et c'est craquelé, tu vois. Et donc du coup, j'arrive il s'est à ça de tomber dans une faille où je l'aurais plus jamais retrouvé. quoi Et là, Dieu merci, il y a des touristes qui passent, on entend des gens qui parlent. On se met à courir comme des dératés parce qu'on savait qu'il nous restait 10 minutes et on allait être intoxiqués par le soufre pour remonter sur la petite butte et rattraper un chemin touristique. Et, euh, et voilà, trop ah, d'aventures. Bon. Et après, je pense que j'ai mis un an, genre, je sentais le soufre. Euh, si tu faisais cuire des œufs euh, à la poêle ou des oeufs durs. Alors, je rentrais, dans, genre rentrais, chez mes parents, ils faisaient l'autre bout de la maison, ils faisaient cuire des œufs, je le sentais. Je pense que ça, ça m'a traumatisé. Bon, ça il s'est dit ça, tu le, tu, tu, tu le retiens. Je ne sais pas comment l'expliquer mais genre, je faisais pas gaffe. Et maintenant, je sens le souffle, beaucoup moins maintenant, mais de, de loin. Quoi. Voilà, c est c est tout ça. Tu une. J'ai jamais un edge, failli mourir, hein. <laughs> ou alors, enfin, je ne suis pas au courant, mais comme ça, de tête. Euh... C'est les meilleurs. Ouais. Je ne suis pas au courant, pas, mais. J'y ai pensé dans la discussion tout à l'heure, mais il y, y a deux événements qui m'ont, qui, qui où je suis passé vraiment à, à pas grand-chose. Le, le premier, je vais, je vais, je vais le passer parce qu'il n'est pas mignon, mais qui est, qui est le plus dangereux que j'ai fait. Je fais 4 tonneaux dans une Mini Cooper. Ah, merde. Tu vois la scène de James Bond dans Casino Royale où ouais. il va récu il veut récupérer sa meuf et il l'évite et non, il, fait, ouais. il fait des tonneaux par en couille. C'était la même. Ah, et euh, et j'avais pas bu, j'avais pas fumé, rien de rien d'exotique. Juste, je me suis endormi au volant. Donc attention, guys, ça arrive vraiment de s'endormir au volant. Euh, mais okay, je vais vous raconter ouais. la deuxième. La deuxième est plus cool. <laughs> plus cool. de... Ouais, en, ouais. en... Non, elle est trop mignonne la deuxième. Tu vas voir à la fin. Je suis en Thaïlande et euh, ouais, avec bien. un pote. T'aimes bien la Thaïlande en plus. Ouais, ouais. Je suis en, que Thaïlande que en Thaïlande avec un pote à Koh Phangan. Ah ouais. Et euh, pas pour les mêmes raisons, je pense. <rire> <rire> à Koh Phangan. <laughs> et là, on voit une butte trop stylée et on se dit ah vas-y viens on monte tout en haut de la, la butte avec mon pote Mathieu que je salue. On a failli crever à deux. Et euh, pour prendre des belles photos large, plan large et tout, tu vois. Et en fait, on a marché pendant deux heures et demie, trois heures, en pensant que toutes les dix minutes, on allait arriver à la butte, tu vois. En fait, c'était beaucoup plus long que ce oh, qu'on pensait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu montes une montagne, tu as l'impression qu'il y a un chemin naturel que tu suis, tu vois. En fait, quand tu es en haut et que tu veux redescendre, là, tu envoies 10. Ouais, grave, je <laughs> et suis tu fais hop, oh, putain. Et en fait, on n'était pas préparé parce qu'on <laughs> pensait que ça allait être rapide. Donc, on n'avait pas d'eau. C'était fin de journée. Oh, putain. La nuit commence à tomber. Donc, on est perdu dans une forêt en Thaïlande. Parfait. On ne sait pas comment rentrer, tu vois. Tu captes Et là, je vous jure à quel point c'est mignon. C'est que en bas de là où on a déposé les scooters, on a commencé à monter. Il y avait un chien. Et je vous jure qu'au bout de... En fait, on a... Même pas eu le temps de archi stresser. Cela, je vous le dis avec le recul, je me dis, s'il n'y avait pas eu ce chien que, dont je vais raconter l'histoire, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. C'est chaud. Ouais. Je sais pas ce qu'on aurait fait. Il y a 15 chemins comme ça, je ne sais pas où aller, tu vois. Et, euh, et jungle tropicale, il commence à faire nuit. Ah bien sûr. Flipant. Et là, je vous jure, au bout de 15 minutes, minutes qu'on pète un câble, il y a le chien qui arrive. Ça, ouf. Et il vient nous chercher, gros. Il vient nous chercher, il nous a ramené, il nous a vu, il a fait et il est reparti. Il est dit, et on a suivi et on est arrivé exactement où notre scooter était. Sami <laughs> Miyazaki quoi. Voilà l'histoire de Dogami. Et ouais, ouais c'est ce que j'allais <laughs> dire. <rire> voilà pourquoi j'aime les chiens. <laughs> c'est ouf. Faut euh, moi, noyade. J'ai fait une noyer oh, en pire truc. En, c'était à. Euh près de la Bretagne, je me, me baignais avec des potes et pas vous baigner en Bretagne sinon je je fais le malin on était en orange parce qu'il y avait des filles avec nous. Et, et en fait, fait tout le monde rentre et moi je reste deux minutes de plus et j'arrive pas à revenir. Les maîtres nageurs, une dame aussi, elle me regarde comme ça, elle me fait des signes que j'ai besoin d'aide. Pour faire l'homme, je faisais comme ça, j'étais en train de me noyer et avec euh, le courant, je suis revenu sur le côté. Et à ça, tu vois. Je suis arrivé sur la plage, je me suis allongé par terre, j'en pouvais plus et depuis maintenant, je me pla... je me baigne plus trop dans l'océan. Ah, tu m'étonnes, C'est oui. ah, dommage. Vrai, moi, la même chose, mais... Enfin... Ah, franchement, mec, les trucs t'es inspiré, tu moi, dis que t'es quoi J'habite à la Méditerranée, c'est calme eh ben Moi, j'aime bien. Que... Merci d'avoir regardé jusque-là. Euh, J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec Thomas et avec Bilal, euh, que vous ayez toujours envie d'investir dans le gaming ou de développer votre jeu. Normalement, vous avez acquis pas mal de compétences. Maintenant, on va passer aux news. Vous, vous n'allez pas le voir parce que c'est une autre vidéo, mais normalement, vous avez le truc juste ici. Et euh, let's go pour la deuxième partie, alors.